Monsieur, bonsoir. C'est un moment véritablement spécial que nous avons assisté aujourd'hui et nous avons, nous, Info TV, décidé de revenir dessus en grandeur et en majuscule. Nous parlons bien évidemment de cette élection à la Fédération camerounaise de football. Le candidat Samuel Eto'o a été porté à la tête de cette institution par l'ensemble ou alors un nombre important de délégués votants. Nous allons revenir sur cette candidature qui a longuement donné l'impression d'un véritable feuilleton. Nous allons interroger la plus-value de cette accession de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce que ça peut bien produire sur le plan international? Nous allons interroger les aspects politiques et les aspects en termes de symbolique de cette avènement de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Nous allons revenir aussi, les politiciens qui sont sur ce plateau vont s'exprimer dessus, sur cette véritable guerre de l'opinion qui a longtemps émaillé cette course à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Et nous allons interroger, si le temps nous le permet, est-ce que cette victoire de Samuel Eto'o est véritablement une victoire de la jeunesse? Mesdames, Messieurs, Samuel Eto'o est à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est l'actualité principale de ces presque 1h30 d'émission spéciales qui vont nous retenir ce soir. Et pour nous accompagner, nous avons décidé de convier des jeunes et autres personnalités politiques pour qu'ensemble on puisse bien évidemment découvrir les méandres et se projeter dans l'avenir par rapport à désormais la personne qui va parler au nom du football camerounais. Et le tout premier que je présente est un analyste politique, Cédric Pouga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Mbaga, c'est un plaisir pour moi d'être présent sur ce plateau. Bonsoir aux copanélistes, bonsoir à l'équipe technique et un bonsoir particulier à Monsieur Dieudonné Vin qui nous permet de produire en toute quiétude sur ces antennes. Vous savez, c'est un jour mémorable. Aujourd'hui, un jeune, particulièrement Samuel Eto'o, que tout donnait, pratiquement tous donnaient perdant, qui se retrouve aujourd'hui à la tête de cette institution. Nous ne pouvons qu'être que fiers et montrer à la jeunesse que lorsqu'on veut, on peut. Comme un slogan le disait il y a quelques années, Eto'o peut. Je peux. Donc, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et ce sera un honneur de décrypter cette actualité avec les copanélistes. Merci Cédric Pouga pour votre présence express sur ce plateau. L'autre personne, ou alors personnalité que je présente, lui, c'est un politicien de métier, de carrière, Jean-Marie Fomangota. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux copanélistes, merci à la maquilleuse sans oublier les techniciens d'Info TV, merci aussi à Dieudonné Vin qui nous permet toujours d'être dans l'international avec le samedi, mais comme c'est une édition spéciale, nous serons toujours à la hauteur d'apporter quelque chose que veillent les Camerounais pour qu'on puisse être en accord, parce que nous ne sommes pas en guerre, nous resterons des Camerounais malgré tout ce qui se passe. Alors, Président Fomangota, j'essaie l'attente, l'opinion m'interroge de vous faire réagir immédiatement par rapport à cette victoire de Samuel Eto'o. Nous ne cachons pas de secrets si nous disons que vous n'avez pas accompagné de votre soutien la candidature de Samuel Eto'o. Vous l'avez même contesté en apportant vos faveurs au candidat déchu, Seydou Moundioya. Monsieur Mbarga, vous savez que nous sommes dans un pays qui n'aime pas la contradiction. Nous sommes dans un pays où on croit que tout doit être d'un seul côté. J'ai soutenu Monsieur Seydou Moundioya, je le reconnais, mais j'essaie aussi de reconnaître la victoire. Nous sommes à une ère où les Camerounais doivent s'apaiser. Samuel Eto'o fils a gagné cette élection. Je lui donne des félicitations, comme ça se doit à un vainqueur. Et je veux tout simplement dire que cette élection de Samuel Eto'o fils ouvre la porte aux Camerounais de savoir que nous n'avons plus de contradiction en termes de double nationalité au Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne va plus jamais avoir un problème en disant il y a une double nationalité ou pas, parce que la double nationalité a été effective à cette élection. Et nous n'aurons plus de problème à se dire que ceux qui viennent d'ailleurs n'ont pas le droit d'oser. Parce que c'est le véritable problème qu'on a au Cameroun. Samuel Eto'o fils a été un candidat qui n'a pas été adoubé par tout le monde. En particulier moi-même, je ne l'ai pas adoubé. Mais je félicite parce que la politique, c'est de bonne guerre et non la guerre. Après une élection, nous le devenons les Camerounais et tout ce qu'on veut, c'est le bonheur de l'Afrique foot. Si Samuel Eto'o fils a gagné, j'ai dit chapeau. Et qui nous apporte maintenant sa vision pour qu'on ne puisse pas nous dire dans 3 ans, plus tard, qu'il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Parce que aujourd'hui, gouverner, c'est de pouvoir faire en sorte que les choses avancent, mais non les stagner ou les conserver. Et c'est pourquoi nous attendons brillamment que Samuel Eto'o fils nous démontre que sa victoire est une victoire où tout Camerounais était à l'attente. Merci Jean-Marie Fomangota pour vos mots et vos
Votre message de félicitations à l'endroit du candidat Samuel Eto'o, désormais président de la Fédération camerounaise de football. Nous poursuivons les présentations ce soir avec un autre jeune, si vous voulez, un jeune dynamique, entrepreneur, leader, aussi Dr Jean-Marie Zumboko. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes ici présents. Permettez-moi, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire, oui, de présenter les condoléances au président qui a perdu notre jeune frère, hein, oui, étudiant, je crois, à Soa, oui, de droit. Voilà, c'est la jeunesse camerounaise qui est touchée encore, hein, dans sa réalité, et nous présentons les condoléances à toute la famille, que ce soit famille biologique, que ce soit la famille Info TV, et naturellement tous ceux qui ont marqué, ou alors tous ceux de qui ce jeune homme était proche. Ayant dit cela, j'espère que l'émission sera belle, oui, ce soir, et qu'on va dire des choses qui vont permettre aux jeunes qui nous suivent de continuer de gagner en confiance et en sérénité. Je l'ai dit sur l'un de vos plateaux ici une fois, il y a de l'espoir dans cette nation, il y a des choses à faire dans ce pays, il suffit simplement d'oser, il suffit d'y croire, et puis les choses vont aller tranquillement vers l'émergence, oui, que nous attendons, mais pas l'émergence du RDPC, l'émergence du Cameroun tout entier. Donc voilà, j'envoie un pic comme ça à mon voisin de gauche en espérant qu'on va se séparer avec le sourire ce soir. Merci, docteur Jean-Maurice Mbok, pour votre présence. Et justement, vous avez parlé de votre voisin de gauche. Je m'en vais tout de suite le présenter. C'est un visage connu de cette émission. Arthur Nkor, vous êtes sémiostratège. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Mbok. Alors, justement, avec vous, nous allons interpeller les lignes, interpeller les signes, faire, pas l'inventaire, mais le récapitulatif de ces 72 dernières heures en termes de signes qui auraient pu faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Alors Arthur, vous êtes là. Est-ce que vous, à quel moment vous avez ressenti que Eto'o avait une chance d'être président de la Fédération camerounaise de football? Bon, il faut dire que depuis le départ, les signes envoyés par le candidat Samuel Eto'o étaient des signes de sérieux. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui, tout de suite après que sa victoire eût été proclamée, un clip a été diffusé sur une chaîne, que je ne citerai pas ici. Oui. Un clip qui vient conclure sa victoire et qui le présente comme quelqu'un qui s'est préparé. Donc c'est dès le départ qu'on peut dire que, au vu de la préparation de Tofis, au vu des éléments de langage, des éléments de communication, des éléments gestuels qu'il a disséminés au long de la campagne, c'est l'un des seuls, sinon le seul candidat qui est. Alors Arthur, est-ce que l'on ne va pas vous soupçonner de diluer un peu la science, parce que beaucoup ont remarqué la fébrilité quand même du candidat Samuel Eto'o lorsqu'il entre en salle aujourd'hui. Beaucoup dans le marigot sportif camerounais voyaient l'ex-président Seydou Mbombo-Ndjoya comme le principal favori, au vu du fait qu'il avait les réseaux, au vu du fait que les délégués étaient, pour certains, lui devaient la place, au vu du fait que des proximités avec X ou Y personnalité le mettaient véritablement en pole position. Est-ce que ces signes-là aussi ne pourraient pas être interprétés comme des éléments probants pour la victoire de M. Mbombo-Ndjoya? Monsieur Mbaga, chacun sait comment il intériorise ce qu'il ressent à un moment précis. Oui. Autant M. Seydou, qui a la force de l'âge, et donc de façon civiline la force de l'expérience, est calme de nature. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on sent qu'on va perdre ou qu'on va gagner, qu'on va tout de suite commencer à s'agiter. M. Samuel Eto'o n'a jamais été quelqu'un de, on va dire comme ça, de très calme. C'est quelqu'un qui a un caractère que l'on connaît, ce qui a d'ailleurs fait sa carrière. Donc, M. Seydou avait ses raisons d'être comme il était. M. Eto'o est comme il est, il avait les raisons d'être comme il était. Chacun savait ce qu'il attendait ou ce qu'il attendait. Et puis, c'était un scrutin. Parce qu'en même temps, on ne va pas venir jouer au devin ou faire jouer les devins des candidats qui eux-mêmes ne savent pas de quoi le résultat est fait. Vous êtes sur ce plateau parce que justement, vous avez cette faculté à décrypter des signes ou des éléments de langage ou alors des aspects communicationnels que nous n'avons pas les compétences pour déchiffrer. Est-ce que vous,
Bon, à quel moment est-ce que vous vous sentez que Eto'o a une chance? Je sens qu'il a une chance à partir du moment où il se sent convaincu d'avoir convaincu ses délégués. Oui. Lorsqu'on commence à contrôler des délégués, on sent qu'on peut gagner. Puisqu'en fait, c'est une élection, effectivement, comme certains ont cru bon de lui rappeler, fort malheureusement d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont été maladroits, de croire que Eto'o, qui est candidat à l'élection de l'Afrique à foot, ne sait pas que ce sont les délégués qui votent. Mais ils ont cru qu'il faut qu'on lui rappelle. Donc, alors, Monsieur Samuel Eto'o, qui sait que les délégués comptent, uniquement les délégués, a compris très tard, on va dire les choses telles qu'elles sont, hein, très tard hier soir, en tenant une bonne partie qu'il avait, ceux qui ont fait basculer la majorité en son camp, qu'il pouvait, en fait. Sauf que, comme c'est une élection, comme je vous dis, l'Afrique à foot, c'est pire que l'Iran. Vous savez ce que c'est que l'Iran? Oui. Le système politique le plus complexe du monde, où ce n'est pas le président qui est le président. Vous voyez à quel niveau ça peut être compliqué. Donc, l'Afrique à foot, les élections à partir des départements, jusqu'au sommet, on ne sait pas qui vote, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas qui fait quoi. Donc, personne ne peut, cette affaire est fermée. Donc, lorsqu'un monsieur commence à sentir que malgré le... Vous savez, lorsqu'il y a un flou, il y a un loup. Donc, malgré le flou, j'avance quand même. Bon, et entre-temps, c'est Spin Doctor qui lui ramenait des informations. Oui. On fait comprendre à M. Etoffis que certains ont souvent perdu parce qu'ils ont négligé soit la surveillance du vote, oui, soit la surveillance de leur délégué. Et donc, il fallait contrôler ça de bout en bout jusqu'au bout et maîtriser les hommes qu'on a à sa disposition. Et ça, pour ce que ça a produit. Merci, Arthur. Encore, Jean-Marie Fomongouta, vous voulez réagir? Oui, je veux réagir en disant que Samuel Etoffis a gagné cette élection par le rassemblement. Regardez, depuis 3 jours, Samuel Eto'o s'est entouré des footballeurs, des anciens, tous ces gens qui n'étaient pas en train de c'est-à-dire en pleine salle. C'est-à-dire qu'on a vu Jérémy Ditape ramener une équipe forte. Il y a 3-4 jours, ils ont eu un conclave où on n'a même pas permis, même au porte-parole de Eto'o d'assister. Entre footballeurs, ils ont parlé. On a vu Niamsi, que lui-même était candidat, qui porte aussi une voix, rallier Samuel Eto'o fils officiellement à la veille de l'élection. Tout cela compte parce que quand vous avez des candidatures qui vous rallient déjà, on a vu Mabouane Kessak, qui est un homme versatile, parce que vous savez que Mabouane Kessak, c'est le plus troublant du football camerounais, mais pour enfin choisir d'accompagner Samuel Eto'o fils, ça montrait des grands signes. Parce que Mabouane Kessak a refusé d'accompagner Joseph Antoine Ba à la dernière, il a dit il va jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, il s'est replié à aller du côté de Samuel Eto'o fils et ça pesait parce que Mabouane Kessak contrôlait et certains délégués et lui-même qui votaient. Vous comprenez à quel point que cela joue quand on rassemble, et c'est ce que j'ai parlé ici sur ce plateau il y a 2 semaines, que si Eto'o fils arrive à rassembler les footballeurs, ça peut basculer le vote parce que lui seul pouvait ramener son leadership à faire comprendre aux anciens footballeurs et que c'est à nous de gérer. Et cela a marché parce que Samuel Eto'o fils s'est retrouvé entouré d'Éric Aubergson, la bénédiction de Joseph Antoine Bell. On a vu tous les bonbons et Joseph Antoine Bell donner une bénédiction. Et alors que les gens connaissent aussi la particularité de Joseph Antoine Bell, que ce n'est pas quelqu'un de facile, mais il a prouvé. On a vu presque tous les grands footballeurs, les anciens, autres, on a vu même certains en Europe rappeler Tutan Bernard qui s'est attaqué à Samuel Eto'o fils, était le premier à dire voter Samuel Eto'o fils. Tout cela compte parce que cela, les délégués sont aussi parfois des gens qui ont des familles, qui ont des frères, qui ont tout cela et qui connaissent que quand les footballeurs même disent que on a doublé Samuel Eto'o, ça marche. Et je crois que cette victoire est aussi celle d'un homme qui s'est surpassé pendant 2 semaines. Il faut le reconnaître. Samuel Eto'o fils était entre le peuple, entre le sud-ouest, le nord-ouest. Il a vraiment préparé sa campagne. Il faut le reconnaître. Comme a dit M. Nko, parmi tous les candidats, c'est le seul qu'on a vu partout. C'est le seul qui voulait vraiment l'Afrique à foot. Parce que quand on veut quelque chose, on démontre qu'on veut. Il est allé auprès des populations, il est allé auprès des délégués. Président Fomongouta, je reste avec vous. Sur ce plateau, vous avez affiché vos choix en termes de candidats, mais vous avez longtemps précisé que l'élection à la Fédération camerounaise de football n'était pas une élection populaire. Ça veut dire qu'il y avait un corps électoral bien précisé et que le candidat Samuel Eto'o se trompait de stratégie. Est-ce que vous restez sur vos propos ou alors vous reconnaissez que vous êtes trompé? Vous êtes en train de me dire ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué qu'il se trompait de stratégie parce qu'à l'époque, il a voulu nous faire comme une élection présidentielle où on avait un directeur de campagne et un porte-parole. Mais Samuel Eto'o s'est retourné face au footballeur. Regardez la réunion avec Jérémy Ditape qui a duré plus de 3 heures. Et regardez
les réunions avec Magouan Kessak, regardez les réunions avec Niamsi, ça veut dire que Samuel Etofis a rassemblé, il a démontré que je ne venais pas porter la fédération tout seul. Je veux pour qu'on ait un ensemble des idées, des accords, parce que je vous fais comprendre qu'un projet n'est pas porté seul. Le véritable problème est que tout le reste des candidats n'ont pas démontré qu'ils portaient le projet, même si Céline Boumoundia que je soutenais n'a pas démontré qu'il portait le projet pour le Cameroun. Non, mais je le reconnais, parce que si Céline avait porté le projet pour tout le monde, il aurait eu peut-être plus de voir que Samuel Eto'o, mais Samuel Eto'o fut le seul candidat qui s'est soumis à aller manger le soya au quartier, qui s'est soumis à voyager un peu partout, qui s'est soumis à rencontrer les gens. Il démontrait aux Camerounais que je vais vous servir, je vais être près de vous, pendant que les autres jouaient l'attitude des vainqueurs qu'on dit la force d'expérience et autres, alors que c'était pas ça. Vous avez 76 délégués qui sont parfois des gens versatiles eux-mêmes aussi, parce que c'est des délégués qui ont des problèmes, qui ne savent pas où aller, parfois qui sont compromis, et vous voyez que il y a eu beaucoup de conclaves à cette élection. Samuel Eto'o fils était obligé de rencontrer tout le monde. Jules Denier et Samuel Eto'o fils ne se sont même pas accordés à la dernière minute, alors que Samuel Eto'o fils a essayé de faire le premier pas pour aller dire grand frère, viens avec nous pour gagner. Jules Denier a dit non, il ne partait pas. Mais c'est pour dire que quand on veut gagner quelque chose, ce qu'on met comme conviction, comme détermination, comme idéal, a démontré la force de Samuel Eto'o fils. C'est pourquoi je salue cette victoire. Je ne la salue pas parce que j'ai soutenu Samuel Eto'o, j'ai soutenu Cédou Bombo-Dioula. Même mon candidat a été amorphe face à Samuel Eto'o fils. Et la victoire de Samuel Eto'o fils, c'est l'indépendance de sa primaire. C'est-à-dire un homme qui a, on connaît Samuel Eto'o d'un homme brillant et haut, et il a utilisé ces forces-là pour à mettre en capacité pour démontrer qu'il veut ses fédérations. Et cela, c'est une victoire à respecter. Merci Jean-Marie Fomangota pour votre honnêteté à rappeler que vous étiez un fervent soutien sur nos différents plateaux du candidat Seydou Mbombo-Njoya. Je poursuis avec vous, cher Cédric Pouga. Alors, il y a une bataille négligeable pour certains, mais qui a accompagné Samuel Eto'o lors de cette investiture. C'est la guerre de l'opinion. Alors, même si le corps électoral était bien défini, Samuel Eto'o s'est attelé à avoir la ferveur et le soutien du peuple. Beaucoup le lui ont reproché, prétendant que ce n'est pas le peuple qui votait. Mais lui a toujours essayé d'avoir cette proximité avec les masses populaires. C'est un choix qui se révèle aujourd'hui payant. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, de nombreux analystes politiques et politologues ont décrié cette stratégie, pensant que, vu que nous étions dans un scrutin indirect, où nous avions une liste de personnes définies, prédéfinies, et qui, bref, ce n'était pas un scrutin populaire, donc de facto, la campagne devait être exclusivement centrée sur les délégués de ces élections-là. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que ces délégués ont une base. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être délégué si vous n'avez pas eu le soutien populaire de votre base. Donc, si moi, à la place des taux, une stratégie très bien pensée, je m'attaque à la base, à votre base. C'est-à-dire, si je réussis à avoir le soutien de votre base, de facto, je devrais avoir votre soutien puisque vous représentez en fait une population donnée. Donc, la stratégie de Samuel Eto'o était très bien pensée. Oui. Cela a mis la pression. Parce que, vous savez, nous avons été habitués au Cameroun à ce que des élections se jouent dans des couloirs. De sorte que, on puisse, même si vous avez le soutien populaire, nous avons eu des grandes personnalités comme Joseph-Antoine Bell, qui avait une certaine auréole internationale même, mais qui ne bénéficiait pas forcément de ce soutien de ses délégués, même s'il avait le soutien populaire. Donc Eto'o s'est attelé à donner, à mettre une pression sur les bases. Cette base elle-même qui mettait la pression sur les délégués. Oui. Mais cela n'était pas suffisant. Il fallait encore se battre pour la vérification du vote. Vous avez vu, vous avez dit en entame de votre propos, que il y avait une certaine fébrilité qui se lisait de Samuel Eto'o. Parce que depuis, dès l'entrée dans la salle, il a d'abord décidé que ses délégués ne s'asseyeraient pas, comme cela avait été défini par le président de la séance. Vous comprenez qu'il a tout fait pour que rien ne puisse venir porter atteinte à ce scrutin-là. Vous avez eu le deuxième élément qui a créé une forme de bloc, c'était qu'il fallait mettre, il fallait estampiller les bulletins de vote de sorte que les personnes qui voudraient truquer éventuellement ces élections, vous savez que nous sommes dans un pays où certaines pratiques non commodes sont souvent affichées. Donc, cette ferveur populaire-là, ce dynamisme dont faisait part le président Iatunko ont beaucoup joué à la dernière minute avec le soutien populaire. Parce que lorsque vous êtes délégué... Alors, Cédric, beaucoup ont souvent eu pour...
stratégie de négliger véritablement cette opinion. Mais aujourd'hui, il est clair que désormais sur le champ, hormis sportif, même politique, l'opinion compte. Et il faut avoir avec soi cet enthousiasme, cette dynamique qui vous porte vers le sommet. Si la stratégie des taux était restée focus sur les délégués, peut-être n'y aurait pas eu le résultat qu'il y a eu aujourd'hui. Moi, je crois que si Eto'o était resté effectivement dans cette stratégie, il aurait été perdant. Oui. Parce que sur cette stratégie, son adversaire était mieux préparé, mieux outillé. Vous, il faut rappeler que le corps électoral a été constitué par l'exécutif sortant de Momo Joya. Et ce corps électoral, il y a eu des polémiques là-dessus. Parce qu'on estimait qu'il avait favorisé certains au détriment de d'autres. Par contre, comme je vous le dis, même, vous savez, au Cameroun, nous avons des fois été habitués à ce que peut-être le fait que les masses ne se concentraient pas ou bien ne s'intéressaient pas aux élections, de facto, les élections même présidentielles n'étaient pas des élections représentatives. C'est faux. Il faut le dire aux gens. C'est pas parce qu'on a eu des désillusions par les années passées, et nous avions ce thème sur d'autres cieux, où nous disions que c'est le politicien n'arrive plus à convaincre. Si vous réussissez à convaincre, sachez que il y aura des gens qui seront prêts à se battre pour vous. Et lorsque vous avez ces gens qui sont prêts à se battre pour vous, ceux-là qui sont censés les représenter ne peuvent pas résolument prendre une autre direction. Rendez-vous compte que lorsque vous êtes face à votre destin, devant l'isoloir, vous savez que si vous faites un choix, vous savez, nous sommes un carrefour déterminant. Oui. Pour ma part, je crois que c'est l'une des élections, sinon l'élection la plus démocratique qu'on ait connue dans ce pays depuis bien des années. Oui. Parce qu'il faut le reconnaître. Oui. Aujourd'hui, on a tout fait pour que le jeu soit clairement défini. Alors précisons, Eto'o a tout fait pour que le jeu soit clairement défini. Parce que s'il était parti selon les orientations depuis la journée, avec ses bulletins, avec ces personnes qui savaient, Eto'o n'a rien créé. Il y avait déjà des statuts qui l'a seulement appelé à ce qu'ils soient respectés. Et c'est ce que nous disons aux politiciens. Non, non. Vous devez faire respecter les statuts des élections. Lorsque Eto'o décide que non, les statuts de la FECAFOU disent qu'on doit estampiller les bulletins de vote. Cela est dans le corps, c'est dans les statuts. Même si les gens ont voulu botter ça en touche. Il n'a fait que faire respecter et la surveillance du vote, tout en mettant une pression sur ces délégués-là. Oui. Chaque délégué était face à son destin et chacun savait qu'ici, si jamais un choix différent de ce que la base populaire attend était donné, qui vous dit que vous n'auriez pas eu des représailles? Faut-il le rappeler? Eto'o a désamorcé hier une manifestation qui se préparait. Une manifestation populaire de certains de ses soutiens qui estimaient que non. Il fallait montrer à ces gens-là que il est là, il a des gens qui comptent sur lui et qui peuvent, en cas de nécessité, se battre pour lui. Donc, Eto'o a usé d'une stratégie agressive. Ça, il faut le dire. Ce qui n'a pas été forcément le cas de M. Sedou Mbomo Joya, qui bénéficiait de large soutien de certains de nos élites gouvernants. Il faut même le voir. Certains de nos ministres, ce qui est malheureux, parce que je pense que dans une élection pareille, lorsqu'on est républicain, non, il faut éviter. Je vous prie, il avait des soutiens. Les soutiens de quoi? C'est 77 personnes qui avaient leur destin, ils n'avaient pas les soutiens. Arrêtez le mot de soutien. Non, arrêtez le mot de soutien. Je vous ai pas. Et toi, a gagné parce que les délégués étaient d'accord à le faire gagner. Vous savez, soutien de quoi? Et rien ne se cache. Des ministres se sont clairement affichés en faveur de monsieur. C'est le premier. Ici, je ne viendrai pas. Moi, je te cite que toi, mais je dis que c'est assez respectable que le politique se soit clairement mis en avant, montrant un aspect partiel de certaines personnes dans notre administration. C'est pourquoi monsieur Mbombo Ndjeya semblait confiant. C'est confiant. Exactement. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas user de la même stratégie agressive que peut-être le candidat Samuel Eto'o, qui ne bénéficiait pas forcément de ces leviers-là. Donc, forcément, aujourd'hui, nous dirons simplement que c'est une leçon qu'il faut retenir. C'est-à-dire, au-delà de l'aspect purement électif, il faut y mettre de la passion et se battre pour son vote. Merci, merci Cédric Pouga. Alors, Jean-Moïse Mbok, je me tourne vers vous et je vous pose presque la même question. La bataille de l'opinion, apparemment, c'est le candidat Samuel Eto'o qui l'a gagné, au détriment de la bataille du lobbying qui semblait être l'apanage de son principal challenger.
Je vais commencer par la sortie d'Abdourahmane. Oui. Qui a dit qu'il ne faisait pas de commentaires sur cette victoire parce que. Vous rappelez Abdourahmane alors que nous sommes la même de. C'est moi qui parle. Permettez-moi de parler. Abdourahmane reste un caillou dans, dans la chaussure du président. Peu importe celui qui allait gagner, Eto ou Mbombodjoya, Abdourahmane promet que la bataille va continuer. Donc, attendez-vous aussi à gérer cet autre volet-là. Moi, je ne suis pas de ceux qui s'extasient d'une manière particulière parce que si on change juste la forme, on ne change pas le fond, le problème reste le même. Aujourd'hui, on souhaite vivement, c'est un souhait, oui. On souhaite vivement que Eto'o ait les coudées franches dans cette fécafoute-là, oui. Qui est qualifié de... D'Iran. D'Iran, comme mon copanéliste l'a dit. Et moi, je veux même dire que c'est l'Iran doublé de l'Irak. Parce que c'est un contexte assez bizarre, assez particulier. Mais justement, maintenant. C'est le style et toi qui peut-être peut faire bouger les choses de ce côté-là. Non. On le sait assis, on le sait crédité d'entre gens. Et on sait qu'il est très peu manipulable pour certaines choses. Alors que l'exécutif sortant, beaucoup le soupçonnaient d'une certaine légèreté face à certains micmacs, disons-le comme les choses se disent du côté de Tsinga. Ça, c'est un problème qu'il faut que les Camerounais apprennent à régler. Oui. On est trop sur les affaires de personnes et non sur les affaires d'objectifs ou de missions à accomplir, à atteindre. Et moi, aujourd'hui, à côté de tout ce qui a été dit, qui est correct, je corrobore complètement avec ce que mes copanélistes ont dit, mais je dis ici, pour aller plus loin, si on veut chercher la question du lobbying, Samuel Eto'o, en 2018, a plébiscité le chef de l'État. C'est clair. Samuel Eto'o s'est affiché avec toute la famille présidentielle, que ce soit le DCC, que ce soit les enfants, les deux. Toutes les photos sont Samuel Eto'o s'est affiché avec l'entourage du chef de l'État. Maintenant, si on veut parler du lobbying, je crois que Monsieur Mbombodjoya s'est affiché vraiment en passant comme ça avec le fils. Mm-hmm. Et non. Donc voilà. Donc moi je pense que ce n'est pas lui que Franck allait voir. Mm-hmm. Franck allait voir le sultan. C'est lui, il a fait juste le protocole pour. Ça, c'était une question de campagne. Il fallait qu'il y ait des photos quand même qui allaient ainsi de suite. Donc, si on veut traiter la question du lobbying aujourd'hui, pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que, on l'a dit, c'est les délégués qui font le travail, mais comme tout est lié, il y a cette masse, cette base qui fait quand même la force de ces délégués et ainsi de suite, il y a, à mon sens, une projection qu'il faut se faire. Samuel Eto'o plébiscite le chef de l'État et le pays est dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Il faut donc trouver un moyen de dévier l'attention. Trouver un moyen de contenter la jeunesse qui se plaint parce qu'elle a des vrais problèmes. Et Samuel Eto'o, c'est du pain béni pour le gouvernement. Je voudrais qu'on se comprenne bien. Est-ce que vous voulez, par votre analyse, dire que cette candidature a été souhaitée, ou alors cette victoire de Samuel Eto'o a été souhaitée par l'establishment de façon à ce qu'elle puisse essayer d'apaiser un peu le climat social? Je continue, je me suis arrêté. Samuel Eto'o, c'est du pain béni. C'est du pain béni pour le gouvernement. J'aurais été président dans un contexte comme le Cameroun, que je l'aurais même soutenu publiquement. Franchement, pour vous dire. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est dépassé par un ensemble de problèmes. On ne va pas forcément dire que c'est leur faute, qu'ils sont nuls, qu'ils sont. On peut le dire, mais moi, je ne vais pas le dire comme ça. Je dis, on a des sérieux problèmes dans ce pays. Et il fallait, à un moment donné, qu'on ait quand même quelque chose qui va cristalliser l'attention de la jeunesse d'abord, mais aussi essayer de désamorcer parce que dans la zone anglophone, on a une accalmie parce que tout le monde suivait cet événement-ci. Oui. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o a servi, déjà, il s'est servi, mais il a servi au gouvernant pour créer une sorte d'accalmie, mais aussi de projection. Cédric le disait, et c'est le message qui est passé en filigrane, que jeunesse camerounaise, sachez que des choses nouvelles ont commencé. Les choses nouvelles peuvent se faire et garder espoir sur la durée. C'est ça, la récupération politique. Et ils ont très bien su le faire. Et je dis que là,
je salue les gouvernants parce que là, vraiment, chapeau, ils ont vu l'opportunité, ils ont saisi l'opportunité. Si vous rameniez M. Mbombo-Ndjoya avec tous les scandales qu'il a connus durant son magistère, ça allait être vexant. Un mauvais signal. C'est un très mauvais signal. Samuel Eto'o est donc la personne, que ce soit à l'international, que ce soit à l'interne. C'est une image. Qui est vraiment une vitrine, une image, qui est aimée et appréciée. C'est d'abord le talentueux, c'est d'abord le sanguin, c'est l'explosif. C'est Samuel Eto'o, c'est un personnage. Maintenant, il faut comprendre en plus que la jeunesse africaine a besoin de nouveautés. Et Cédric le disait, les politiques n'inspirent plus confiance. Il faut quelqu'un qui... C'est pour ça que Wea a gagné les élections. Chez lui, par exemple. Drogba n'a pas eu cette chance. Ça a annulé. En décembre, ça a annulé. Il n'a pas eu cette chance directe comme Samuel Eto'o. C'est annulé, on va revenir. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression, et c'est ma lecture et ça m'engage, que nos gouvernants sont dépassés par les événements. Ils leur font un souffle nouveau. Il faut des personnes qui sont quand même appréciées de toutes les populations pour essayer de créer une sorte... d'accalmie. Alors, donc, docteur, pour sortir, est-ce un fusible ou une victoire cosmétique? C'est-à-dire quoi? Non. C'est une victime. Non, écoutez, quand vous allez voir le programme de Samuel Eto'o, Monsieur Nkor l'a dit, Cédric l'a dit, même le président l'a dit, il s'est préparé pour ces élections. C'est pour ça que je dis qu'il est du pain béni. Ce n'est pas quelqu'un que le gouvernement a préparé. Exactement, c'est pas l'inverse. Samuel Eto'o n'est pas juste du cosmétique au niveau de la FECAFOOT. Il s'est préparé en conséquence. Il a fait des déplacements en interne et en externe pour expliquer son projet, pour expliquer son programme. Il a fait une démonstration à l'américaine, Steve Jobs, et ainsi de suite, pour montrer son intérêt et son amour. Regardez même. Quand il est proclamé président, la joie qui l'habite, il explose parce que il est à fond dans son projet. Il y croit sérieusement parce qu'effectivement, il peut apporter un changement. Mais je dis simplement que c'est du pain béni pour l'administration parce qu'il va créer la calmie, il va créer une sorte de fédération, on va dire comme ça, entre la jeunesse et un gouvernement, parce qu'il faut quand même dire que le football est un gouvernement dans le gouvernement. Donc c'est un petit président qui est élu aujourd'hui et qui va souvent servir pour essayer de calmer la jeunesse, pour rassembler la jeunesse quand ça ne va pas. Donc c'est une bonne chose pour le Cameroun, c'est une bonne chose pour Samuel Eto'o lui-même. Il faut simplement lui souhaiter, et ça c'est, je l'ai dit d'entrée, qu'il ait suffisamment d'humilité, qu'il ait suffisamment de sagesse, qu'il soit le président et non plus le candidat, donc qu'il rentre dans la peau du leader, du manager, parce qu'il a appris, les autres l'ont dit, il a appris, il s'est formé, mais quand vous êtes en Iran et en Irak, tout peut arriver. Il faut ceux qui nous suivent, ça ne va pas. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui s'agitent et qui s'extasient de manière particulière. Je dis simplement que c'est une bonne chose pour le Cameroun, c'est une bonne chose pour la jeunesse, c'est une bonne chose pour l'Afrique, mais il faudrait que ce soit utilisé à bon escient. Ce n'est pas du cosmétique. Samuel Eto'o est là parce qu'il est capable de faire le travail. Samuel Eto'o est là parce qu'il a démontré par son programme et son entre-gens qu'il peut apporter un souffle nouveau. Mais il faut, pour moi, que un travail de fond soit fait, que cette FECAFOOT-là soit complètement toilettée et qu'on laisse des coudées franches à Samuel Eto'o, parce qu'un délégué peut vous embêter, mais terriblement. Merci, docteur Jean-Moïse Mbok. Alors, Arthur Nkor, je me tourne vers vous. Vous êtes communicant. Revenons un peu sur le style Samuel Eto'o en termes de communication. On a vu les premières décisions qui ont été prises par le candidat, la nomination d'un directeur de campagne, docteur parlait d'un style à l'américaine, et d'un porte-parole. Cela a surpris dans l'opinion même communicationnelle au Cameroun, ce style nouveau, lorsqu'on sait très bien, et le président Fomon Gouta le précisait, que ce sont des cibles précises qu'il fallait séduire et convaincre. Mais cette façon de communiquer sur ce projet, n'est-ce pas là des ingrédients qui pouvaient déjà montrer que véritablement le candidat Samuel Eto'o entendait sortir de cette ambiance FECAFOOT pour véritablement présenter son projet
aux représentants du peuple que sont à la fin les délégués. Effectivement, le problème ici en tant que communicant, oui. Déjà, il faut dire que je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, je crois que le seul qui met souvent autant de CE dans sa campagne, c'est Paul Biya. Vous voyez que je dis pas le RDPC. Je dis Paul Biya. Il faut bien faire la distinction. Le candidat Paul Biya. Le candidat Paul Biya est l'un des rares qui structure sa campagne et qui contrôle son image de bout en bout pendant la campagne. Alors, Samuel Eto'o est une marque. Il le sait. Donc, c'est une marque produit. Et quand on est une marque, on doit choisir un positionnement. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Africa Foot, c'est tellement opaque, cette affaire. Je vous dis, même en suivant aujourd'hui à la télévision, c'est compliqué. Vous ne savez pas comment celui-ci s'est retrouvé là. Comment il fait pour avoir la parole ici. Ça fait que c'est compliqué. Et donc, il est le premier qui a posé la question de savoir, je représente, en dehors de l'Africa Foot, est-ce que je représente encore quelque chose? Et donc, qui a amené sur la place publique ce qui s'est fait de façon séculaire dans le noir, par des réseaux, par des couloirs. Vous savez que dans ce pays, un prisonnier a été élu président de l'Africa Foot. Oui, il y a moi-même. Vous comprenez à quel niveau l'affaire est compliquée. Donc, le type il arrive et il vous dit, en dehors de vous les délégués, je sais que vous êtes là, mais je vais vous mettre un peu la pression. Et pour mettre la pression, je vais utiliser ce qu'on appelle la communication affective. Je vous contourne, je passe par ce qui peut vous mettre la pression. Parce que les délégués ne vivent c'est pas seuls. C'est ça. Oui. Ils ne vivent pas seuls. Ils ont des familles, ils ont des neveux, ils ont des fils. Alors, si votre fils fait des statuts WhatsApp à longueur de journée qui soutiennent et tout, avant de savoir, vous le prenez, ça vous pose un problème. Il nous dit, allez un peu jouer là-bas, tu avais de me trouver ici. Donc, c'est tout ça. De façon subite, ça a été fait comme ça. Donc, beaucoup n'ont pas compris que, en fait, le gars est en train de dire, je prends les Camerounais à témoin. Oui. Exactement. Je les prends à témoin, je leur dis ce que j'ai à faire. Ce que personne n'a jamais fait. Vous avez vu que, c'est le gérer contre c'est le Mbobondia. Vraiment, j'ai rien, c'est un papa et tout. Mais il avait du mal à dire ce qu'il va faire. Tellement ils ont mal fait, tellement ils n'étaient pas habitués à venir expliquer aux gens. Que pour une fois que le gars en face leur dit, Je vais. Quand on dit à Seydou, viens nous dire, Seydou, c'est un peu dur. C'était un peu compliqué. Et comme je vous dis, il est tellement habitué, vous savez. Il faut aussi comprendre qu'il n'a pas l'expression. Justement, je vais expliquer quelque chose. Vous savez, Seydou, c'est pas sa faute parce qu'on ne choisit pas sa famille. Mm-hmm. On en profite. C'est un plaisir. Voilà. Seydou a grandi. Seydou vit dans l'establishment. C'est ça. Il vit dans ça. Il y a des efforts qu'on ne fait pas, qu'on n'est pas habitué à faire. Mm-hmm. Vraiment, entre moi et lui, vraiment, on ne court pas de la même façon. Vous savez, celui qui a vu le lion et celui qui sait que le lion l'a vu n'ont pas la même façon de courir. Donc, ces deux n'ont pas les mêmes problèmes. Il a toujours tout eu. Il faut dire ce qu'elles sont. Et puis, moi, je vais les dire telles qu'elles sont. Le père de Seydou était l'ami du président. Et quand on dit ami, pas le camarade de classe, l'ami du président. Deux choses qu'il n'a jamais eu. Il n'a jamais eu à combattre pour certaines choses. Quand on voit son CV, vous demandez, bon, le gars, c'est même parti là-bas quand même. Il était à la CAF, il était à l'Africa Foot. Il est depuis. Depuis, il a été directeur de cabinet de l'Institut de France. Et donc, Seydou a été surpris d'affronter donc un monsieur qui a eu tout ce qu'il a obtenu par l'effort. C'est un compétiteur. Et Seydou n'en est pas un, en fait. Donc, il avait en face de lui son total contraire. Oui. Le gars qui est habitué à se battre contre le racisme, contre l'adversaire, contre l'arbitrage, contre tout, en fait, même contre ses combattants, parce que ça, à un moment donné, c'est le mec qui est clivant. C'est deux camps. Il y a ceux qui l'aiment, sans aucune raison, ceux qui ne l'aiment pas, sans aucune raison aussi. Donc, le type est dans une affaire comme ça. Donc, Seydou aujourd'hui, peut-être avec le recul, va se dire que, en fait, c'est comme le gars qui échoue les nains pour la première fois. C'est-à-dire, c'est le joueur qui se rend compte qu'il n'était pas prêt. C'est-à-dire, il ne pouvait pas. Quand l'épreuve est arrivée, vraiment, papa, il n'était pas prêt, il ne pouvait pas passer l'affaire ici. Donc, Seydou, avec le recul, va se dire, je ne peux pas gagner l'affaire ici. C'était compliqué, le type était préparé. Je vous dis, ce type, déroulant son programme à Douala, il n'y avait rien à dire. Et il a eu l'humilité de saluer. Hein. Salut, oui. Moi, je peux même dire quelque chose de plus fort. Mettre mon rassemblement dès le départ, en nommant Tagne, qui a écrit un journal. Là, je ne suis pas d'accord. Jean-Benoît Tagne, il n'est pas connu comme l'un qui va aller en vacances avec toi. Tout à fait. Alors, il a commis un ouvrage qui est un pamphlet, un boulot. Six chapitres contre Samuel Eto'o. Le titre n'est pas sans équivoque.
Et toi, à page de couverture. Tout à page de couverture, dans une position d'échec. Alors, il a appelé. Je rassemble. Obama, c'est pas un secret. Ils sont amis. Donc, ce n'était pas trop. C'était pas trop une surprise. Maintenant, il faut mélanger les deux. Qui eux-mêmes, à un moment donné, ont eu mal à partir. Donc, je rassemble. Peu importe ce qu'il y a eu, on peut repartir de nouveau. Et je donne la preuve que entre temps, j'ai appris. Non seulement j'ai appris, j'ai grandi. Parce que beaucoup aussi ont du mal, parce qu'il faut aussi le dire, la victoire passe mal chez certains, elle passe vraiment mal. Ils ont du mal à dormir. Sauf que cela, c'est parce qu'ils n'ont pas, vu la mutation de l'homme qui est passé, qui a passé sa vie à ce. Il n'est pas parfait. Il s'est trompé, a commis des erreurs, parfois grossières, parfois regrettables. Mais le type a appris. Le type s'est institutionnalisé. Oui. Vous ne rencontrez pas Paul Biya et vous ressortez de là comme vous êtes parti. Donc, il faut que les gens comprennent que le type a pris le temps d'apprendre, de tomber, de se relever, de ne pas commettre les mêmes erreurs et surtout d'être humble. J'ai vu un homme humble aujourd'hui. Un homme qui, à un moment donné, a failli redevenir le héros d'il y a 10 ans. Mais qui s'est fait violence. À un moment donné, il s'est fait à 2-3 reprises. Il a failli sortir de ses gommes, redevenir le petit gars de New Bell. Mais à un moment, il a compris, en fait, je suis héros. Et il y a des gens dehors qui comptent sur moi, qui avaient leur agenda, mais bon, on pourra en parler. Merci Arthur pour cette lecture du candidat et de du positionnement en termes de communication de Samuel Eto'o. Jean-Marie Famongota, je vous donne la parole. Oui, moi je vais dire que le jeu de cette victoire se joue en jeu stratégie. Obama et Kanye ont passé Joya comme le candidat du pouvoir, alors que c'est toi qui était le candidat du pouvoir. Parce que le lobbyiste, c'est toi qui l'avait. La photo avec Paul Biya Junior à la dernière minute. La photo est-ce avec. Vrai, est-ce vrai? C'est vous qui avez dit que c'était non, vous ne me comprenez pas. Monsieur Mbarga, à la fin, vous êtes journaliste. Vous laissez monsieur encore expliquer. Et lorsqu'il veut expliquer, vous m'empêchez de parler. Je vous fais comprendre que c'était une chose stratégique qui a marché. Pourquoi? Lorsqu'on fait passer un candidat comme le candidat du peuple pour un peuple qui ne mange pas, qui ne boit pas, et on vous dit ça c'est le candidat du pouvoir, tout de suite ça amène la méfiance même au sein des délégués. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons eu des photos de taux avec le président Poutine. On a passé le temps à nous montrer que c'était l'homme des lobbies, il était avec tout le monde dans le monde. C'est-à-dire que le président du Rwanda, on nous a montré toutes sortes de photos. La toute dernière, c'était avec Paul Biya Junior. Et même quand on a mis ce statut sur Facebook, on vous explique que c'est la victoire qui est là. C'est tout simplement ce que je vais expliquer, c'est quoi? Samuel Eto'o fils, c'est une personnalité, c'est une victime. C'est une image qui coûte cher dans le monde. Et c'est une image très populiste. C'est-à-dire que si on va en termes populistes, tu ne peux pas parler Samuel Eto'o. Parce que c'est quelqu'un qui a souvent sauvé des vies, qui a trouvé parfois quelqu'un qui avait faim, il a donné 1000 francs, qu'il ne soit pas Camerounais, qu'il soit Sénégalais, Malien. Rappelez-vous des jeunes Sénégalais qui étaient enfermés en Espagne, qui est venu défendre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a cette nature d'aimer les autres. Mais malgré cela, il a aussi un mauvais côté. Et c'est comme la notion qu'on a expliqué aujourd'hui. Regardez Samuel Eto'o. Lorsqu'il parlait, pour parler de ses délégués aujourd'hui, il a failli aller aux mains. Mais il revenait en lui-même en disant non, je ne veux pas aller jusqu'à là parce qu'il faut que je me contrôle. Ici, je suis venu gagner. Je ne suis pas venu faire des problèmes. Et les gens le poussaient à bout. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait seulement qu'il aille de l'autre côté pour qu'on dise ça y est, voilà Samuel Eto'o. Mais il a eu une maîtrise, c'est-à-dire qu'il se disait, c'est le Cameroun qui compte, c'est pas moi. Ce que je gagne, c'est pas pour moi, c'est pour le Cameroun. C'est pour restructurer les choses. Et ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a des candidats qui ne comprennent pas que lorsqu'on va à une élection, il faut utiliser les médias. C'est du bon Joya a été à mauve en termes de médias. Mais Facebook l'avait soutenu. Mais je ne peux pas être seul, monsieur Mbarga. C'est pas moi qui suis candidat. Je soutiens ceux du bon Joya, mais je ne joue pas son rôle. J'ai fait des publications de postes, mais ce n'était pas assez. Parce que quand vous voulez gagner une élection, il faut être à la hauteur médiatique. Samuel Eto'o fils est une image. Et il a regagné les médias parce que prendre les deux journalistes qui bavardent de plus au Cameroun, c'est quelque chose de précieux. C'est-à-dire qu'il a mis deux personnes qui n'avaient pas la même attitude, le même comportement, mais qui venaient chacun avec sa façon. Mais aujourd'hui, vous avez vu comment Jean-Bruno Tagné, dans la salle, était en train de repousser Eto'o quand Eto'o allait pour faire les problèmes, il le repoussait. Non, calme-toi. On est sur la route, on est sur le chemin. C'est-à-dire qu'ils ont été pressés jusqu'au bout. Et cela fait que Samuel Eto'o fils, aujourd'hui, n'incarne pas que la fédération. Il incarne le Cameroun parce qu'on a des prochaines échéances électorales à la CAF. En parler. Et tout cela compte. Et ce que je vais dire, c'est quoi? Adouamane, c'est quelqu'un d'important au Cameroun. Adouamane a dit il y a 2 mois, que ce soit qui gagne, cette histoire sera annulée. Ouais.
Et nous avons vu en Côte d'Ivoire un gagnant et on a annulé pour refaire une élection qui va se passer bientôt où Globa va être candidat. Vous savez que, comme on dit, le football camerounais est très compliqué. C'est une mafia totalitaire. Et là maintenant, nous attendons les décisions qui ne vont pas encore venir nous dire que non, quelque chose a rebondi, nous allons repartir à ça. Parce que c'est une victoire, on l'a faite pour des vainqueurs. Samuel Eto'o est un vainqueur, je respecte, c'est la loyauté. La politique, c'est de bonne guerre et non la guerre. Si ton voisin a gagné, tu le salues et la vie continue parce qu'on ne peut pas rester éternellement. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux opposants, quand le président Biya gagne, moi je salue, on continue parce qu'on ne va pas faire le hold-up. Si tout le monde commence à faire le hold-up, on sera que dans l'effectif du pays. Alors il faut comprendre aujourd'hui c'est quoi. Samuel Eto'o a gagné, il a de l'attente devant lui. Nous attendons aussi les raisons du TAS et des autres parce que ça ne va pas dormir. Ça va partir parce que la Côte d'Ivoire, on a vu quelqu'un gagner et qu'on nous dit aujourd'hui que son élection, qui a eu il y a 3 mois annulée. Et maintenant, on dit qu'il y a une nouvelle élection. Donc, attendez-vous que, quand vous voyez parfois des candidats calmes, qui connaissent ce que c'est que la CAF, ce que c'est que le TAS et autres, ne vous attendez pas que demain vous dise que l'international ne reconnaît pas cette victoire. Et donc, nous devons rester à la hauteur de dire, on va apaiser le pays. Samuel Eto'o, c'est une image qui peut apaiser le pays. Il faut le reconnaître. Parce que s'il ne passait pas ce soir, je crois que 2 millions, 3 millions de personnes seront en route aujourd'hui. Merci Jean-Marie Fongouta de préciser toutes les velléités qui entouraient justement cette élection à la Fédération Camerounaise de Football. Il y a eu des rumeurs qui circulaient du fait de personnes qui étaient en attente du résultat, s'il était défavorable à leur champion Samuel Eto'o, véritablement, il y avait quelques soucis de troubles à l'ordre public. Dieu merci pour eux. Leur candidat a eu le gain ou alors l'accession à la Fédération de foot. Alors, c'est du pouvoir. Une fois que ces tergiversations sont balayées, essayons d'interroger cette victoire maintenant sur le plan international. La plus-value d'une présence comme celle de Samuel Eto'o sur l'échelon international. Je précise, pour ceux qui nous regardent de par le monde, du côté du Ghana, de Niamey, de Bruxelles, de New York, le Cameroun accueille la Fête du football dès le 6 janvier prochain et que véritablement le Cameroun sera la terre. Tous les regards seront braqués vers le Cameroun parce que la Coupe d'Afrique des Nations est la troisième compétition en termes d'envergure médiatique. Alors, Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de Football, n'est-ce pas là une plus-value sur le plan international lorsqu'on connaît véritablement l'entrée-jean qui est celui de cet illustre sportif? Oui, vous savez, le nom seulement de Samuel Eto'o. Oui. Est déjà une marque. Je pense que tout le monde l'a dit sur ce plateau. Comment peut-il être exploité? Samuel Eto'o est une marque parce que c'est quelqu'un qui a énormément apporté au football camerounais, mais en plus au football mondial, africain. Parce qu'il faut le reconnaître, lorsque vous voyez Samuel Eto'o se balader de pays en pays et être adulé partout où il va, ça démontre la force de la personne. Je vous rappelle que mais Lionel Messi, juste avant ou je sais pas avant ou après le Ballon d'Or qui lui a été accordé pour la 7e fois, a passé un message. C'était bien avant. Voilà, faisant dire que si Samuel Eto'o était élu président de la FECAFOOT, il viendrait au Cameroun. Et vous savez qu'aujourd'hui le Cameroun bénéficie des infrastructures qu'il faut maintenant viabiliser, qu'on doit entretenir et il faut que cela soit une plus-value pour le sport et pour la diplomatie camerounaise. Imaginez donc qu'un Messi vienne au Cameroun pour, disons-le, éventuellement un match de gala. Vous savez combien de médias seront attirés occidentaux, combien de médias sud-américains et tous les sponsors que cela va attirer sur le petit Cameroun qui se retrouvera sous tous les feux. Est-ce que le Cameroun, je prêche pour nous autres Camerounais, peut capitaliser sur cette image et cet entre-genre de Samuel Eto'o? Simplement comme je suis en train de vous expliquer. Oui. En réalité, si Samuel Eto'o, dont le nom porte, qui connaît du bon monde dans le monde du football mondial, si jamais il réussissait à capter les sponsors, parce qu'en réalité, il faut que votre nom soit gage de sincérité et gage de fiabilité. De crédibilité. Exactement. Quand vous voyez par exemple une personnalité comme Baba Dampoulo qui se met derrière Eto'o, qui vous dit que si jamais Eto'o est président, alors moi j'investirai dans le football. C'est qu'en réalité on se dit que avec cette personne, l'argent investi pourra être, il y aura un retour sur investissement. Oui. Donc en réalité Samuel Eto'o est une
marque mondiale. Lorsque il sera à la tête de cette institution, les sponsors se battront pour venir au Cameroun parce qu'il est une image. Partout où Samuel Eto'o s'est déplacé, vous l'avez vu, vous l'avez, oui. Plusieurs personnes l'ont dit sur ce plateau, que lorsque Eto'o se filmait avec Poutine, Eto'o était capable d'ouvrir des portes. Et je vous rappelle que si, ce n'est un secret pour personne, si le Cameroun a pu avoir ne serait-ce que le glissement, c'est Bonko. Samuel Eto'o en est pour beaucoup. Parce que grâce à son influence au sein de la CAF, au sein de la FIFA, il a pu jouer pour permettre au Cameroun de pouvoir garder un minimum d'honorabilité. Oui. Parce qu'il faut le reconnaître, Samuel Eto'o est une véritable chance pour l'Afrique. Mais j'aimerais revenir un peu sur ce que a été dit ici. Quand le président Fomo Nguta faisait part du fait que parce qu'Eto'o se soit filmé avec des fils du président, ça voulait dire... Je lui rappellerai simplement que le général Semenge, qui est un ami, un très grand ami du président de la République, s'est retrouvé éjecté de la LFPC. Il s'est retrouvé... Ah, donc vous avez le papa. Non, il faut simplement comprendre que... Mais tu me dis qu'il a été éjecté à 85 ans. Tout ce que je veux juste mettre en relief, une incohérence dans vos propos. On est dire aujourd'hui que parce que Samuel Eto'o s'est filmé avec les enfants du président, cela faisait de lui le candidat du pouvoir. C'est une incohérence et une incongruité. Parce que d'autres peuvent se filmer avec les enfants du président. Qui s'est filmé avec les enfants du président? Ça ne fait pas de... Forcément, des personnes peuvent même se filmer avec le président, ça ne fait pas lieu des candidats du pouvoir. Monsieur Seydou Mbombo Ndjoya, quand vous voyez, et je pense que tout le monde le dit ici, c'est quelqu'un qui savait qu'il aurait eu ce qu'on lui a promis. Il n'avait pas besoin de se battre. C'est le candidat de l'establishment. Donc, il savait désormais qu'il n'avait pas besoin de se battre comme un Samuel Eto'o, qui était peu confiant sur sa victoire. Parce qu'il faut le dire, il n'était pas du tout certain que les choses se passeraient comme elles devaient se passer. Et tout ce qu'il y a à dire maintenant, c'est que on va voir maintenant ce qu'il pourra réellement apporter en termes de management. Parce qu'en réalité, le capital Samuel Eto'o, il est clair, il est convaincant. Maintenant, en termes de management des personnes, est-ce que cela pourrait être possible? C'est la question maintenant. Merci Cédric Pouga. Arthur Nko. Cédric le dit en filigrane. Maintenant, le maçon est attendu au pied du mur. Lorsqu'on connaît, et vous avez bien fait de préciser l'environnement qui est celui du football camerounais, ses contraintes, ses micmacs, cet état-là qu'on connaît, impulsif, colérique, saura-t-il se mouler à cet environnement de façon à ce que son nom, qui est un véritable label, puisse aider véritablement à l'accomplissement et à l'achèvement des projets qui étaient les siens, les projets du candidat Samuel Eto'o? Bon, deux choses. La première des choses, c'est que le président de l'Africa Foot ne dirige pas l'Africa Foot. C'est le secrétaire général de l'Africa Foot. C'est ce que j'allais dire. Le secrétaire général de l'Africa Foot qui travaille. Oui. Le plus gros défi, c'est de trouver un bon secrétaire général. C'est la première des choses. Oui. Très bien. Donc, trouver une équipe managériale capable de gérer ce qui doit l'être. Oui. Pour que le reste ne soit justement que des batailles d'éléphants. Oui. Parce que c'est-à-dire que Samuel Eto'o se décharge d'administration au jour le jour. Voilà, au jour le jour. Pour qu'il soit dans les batailles de combat. Pour donc pouvoir gérer donc les crocs en jambes. Oui. Parce que vous savez qu'au moins avec lui, vous savez, quelqu'un l'a dit quelque part que le type il est incontrôlable. Que c'est pour ça qu'il est un problème pour certains apparatchiks. Pour le système. Oui, certains apparatchiks qui aiment faire les choses dans le noir. Il ne faut pas que le petit ici commence à venir trahir les gens en plein jour ici. Il est bien capable. Voilà. Et au moins avec Eto'o, on a la chance que la liste des babas va sortir. C'est-à-dire, si un type l'a appelé la nuit pour imposer un joueur, ce gars peut vous dire à la télévision le matin que M. Mbarama a appelé pour m'imposer X ou Y. Donc, ça au moins, on peut l'avoir. Bon, maintenant aussi, personne n'est naïf. On finit toujours par mettre un peu d'eau. Dans son vin. Parce que vous savez, la FECA Foot, on veut dire ce qu'on veut dire. C'est l'État du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État du Cameroun. Donc, on finira par mettre dans le vin. Mais au moins, on a l'avantage cette fois-ci d'avoir quelqu'un. Ça pourra passer. Mais pas comme. Alors, là, on parle de l'environnement. Les premiers défis qui attendent. Désormais, le président Samuel Eto'o, c'est peut-être la normalisation de rapport avec des entités comme la LFPC, que le championnat puisse redémarrer de façon quasi normale. Parce que je précise aussi que
ceux qui s'interrogeaient sur la candidature de Sédou Momodjoya mettaient en avant justement que le Cameroun, terre d'accueil de la Coupe de l'Afrique des Nations dans 2 semaines, était un pays où il n'y avait pas de championnat, où les clubs représentatifs du pays du Cameroun sur l'échelon international étaient désignés, une incongruité, mais que beaucoup mettaient sur le dos du président Momodjoya. Alors, c'est un chantier, comme il y en aura des millions sur le chemin du président Eto'o. Vous savez, entre autres, M. Sédou est difficile à plaindre parce que déjà on dit, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est encore plus compliqué quand quelqu'un lui-même a créé les conditions de sa turpitude. C'est-à-dire quoi? Avec le vieux Semengue, ce championnat bon an mal an se jouait. Oui. Sédou, je ne sais pas comment ça a commencé. Sédou est venu enlever cette affaire à ce papa. Et ça ne s'est plus joué. Vous voulez qu'on accuse qui? Il a décidé de partir. Et donc, au fond, lorsque vous allez en France, en Italie, en Angleterre, il y a la fédération d'un côté. La ligue. Et il y a la ligue. Et dans ces pays-là, c'est la ligue qui organise le championnat. Partout, c'est partout. Moi, je ne sais pas quoi passer. À un moment donné, c'est trop de chimie, trop de physique, trop de philosophie. La science politique, on fait comment ailleurs? C'est pas la question qu'il faut poser à nos gens quand ça nous embête au Cameroun. Mm-hmm. Ailleurs, c'est la Ligue qui a gagné le championnat. Ça a commencé comment au Cameroun pour que la ligue, cette affaire devienne une affaire de Feka Food League? C'est ça le problème. Donc, que ton fils revienne quand il arrive là, comme on dit en anglais, back to the basic, c'est-à-dire on revient aux fondamentaux, on remet tout à plat, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se fait, et on recommence. C'est pas qu'on va dire qu'au Cameroun, c'est sorti de faire jouer des matchs de foot. Puis encore, vous avez aujourd'hui avec ce qu'il y a comme infrastructure, ils ont encore l'excuse encore. Donc, qu'ils reviennent, qu'ils arrivent là et qu'ils, déjà, qu'ils se calment, oui. Qu'ils fêtent bien, parce qu'il faut bien que la pression sorte, qu'ils fêtent bien, oui. Qu'ils s'asseyent, qu'ils s'entourent, qu'ils désignent des gens qui peuvent l'aider, oui. À rayonner. Le reste, les combats, la vie des noms, c'est des combats. Il y aura des combats. Mais au moins, que la partie administrative soit gérée par des gens compétents et capables. Merci, Arthur. Alors, Dr Jean-Moïse Mbok, désormais Samuel Eto'o est président. Mais alors, beaucoup, et je l'ai dit à l'introduction de mon propos, attribuent, ou alors considèrent, peut-être récupèrent cette victoire comme une victoire de la jeunesse camerounaise face à une oligarchie qu'on dit vieillissante et qui très souvent rechigne à confier les responsabilités aux jeunes. Eto'o était certainement l'un des plus jeunes candidats, mais à la fin, c'est lui qui a triomphé. N'est-ce pas là un capital sur lequel la jeunesse camerounaise peut s'inspirer pour pouvoir, elle aussi, véritablement se positionner sur les chemins de la victoire? J'ose croire que c'est comme ça que nos gouvernants vont le comprendre. J'ose croire. Oui. Parce que M. Nkola dit, et je remets de l'emphase là-dessus, la FECAFOOT, c'est l'état du Cameroun. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de championnat, c'est l'état du Cameroun. Ce n'est pas une affaire de M. Mbombojoya, c'est l'état du Cameroun. Si la FECAFOOT marche bien, c'est l'état du Cameroun. Si elle ne marche pas bien, c'est l'état du Cameroun. Moi, je vais aller plus loin. Je vous ai dit, je ne suis pas dans l'euphorie aujourd'hui. Oui. Parce que quand je lis de manière ramassée, je reviens en arrière. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'annulation du championnat était un projet. On n'avait pas d'infrastructure. Il y avait des problèmes. Mais ce championnat s'est joué en 90, en 95, écoutez, en 2000. Écoutez, dans l'évolution, quand vous avez un championnat, qu'est-ce qui nourrit le championnat? C'est des matchs qu'on commercialise, je vais dire comme ça. On commercialise sur quoi? Sur le stade malien. On commercialise en 2021 sur quel stade? Donc, ça peut être un projet politique qui avait pour but de mettre un bémol le temps qu'on ait les infrastructures qu'on a aujourd'hui. Et on va donc sereinement pouvoir redémarrer. Mais ce que je suis en train de dire... Oui. Tant que la FECAFOOT reste ce panier à crabe qu'on connaît, on a eu combien de normalisations? On a eu combien de présidents qui, pour la plupart, sont en prison aujourd'hui? Il ne faut pas qu'on embarque Samuel dans une histoire de fou. C'est-à-dire que je ne suis pas particulièrement joyeux parce que je me dis, mon Dieu, mon frère est entré dans quoi? Est-ce qu'il mesure dans quoi il se retrouve? Mais non, c'est quand même Samuel Eto'o. Si on veut le fatiguer, même Poutine va débarquer au Cameroun. Ça, au moins que nos gouvernants le sachent. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas dans la logique d'exploiter au maximum cette grâce, cette manne
que Samuel Eto'o, pour se donner une nouvelle dynamique, pour se donner un nouveau rapport avec la jeunesse et avec le sport, on va se retrouver dans beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, je me demande comment, de moins en quelques jours, comment Samuel Eto'o va travailler avec son SG actuel. Je crois que c'est le journaliste c'est là. Parfait. Voilà. Des décisions de justice. Parfait. Voilà. Parfait que lui-même n'est pas très à l'aise dans les fonctions qu'il occupe aujourd'hui. Oui. Lui, on va se demander, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pour me retrouver dans cette histoire. Monsieur Bonbon Joya, on l'a aperçu dernièrement au parquet. Oui. Il y a des possibilités d'enquête et de poursuite ainsi de suite. Même si c'est une vieille histoire, on l'a aperçu récemment. Donc, pour l'opinion, peu importe ce qu'on dit, on soupçonne quand même déjà. On l'a vu là-bas. Donc, aujourd'hui, il y a un profond malaise dans la FECAFOOT, mais en fait, c'est le malaise de tout le Cameroun. Et il faut donc que les gouvernants profitent. Le malaise de tout le Cameroun. Et il faut donc que le gouvernant profite. Monsieur Bada, est-ce qu'on va pas faire comme si on n'a pas vu ce qui se passe dans l'extrême nord, avec nos frères qui se déchirent de ce côté-là? C'est pas parce que le gouvernement n'a pas fait un grand tapage dessus qu'on va faire comme si rien ne se passe. Les Mousgoum et Zrab Choua se détruisent littéralement, et c'est un conflit qui dure depuis 92. C'est pas nouveau. Tout le temps, ça revient, ça passe, ça revient. On ne résout pas les problèmes de fond au Cameroun. Et il faut donc qu'on profite à partir de la FECAFOOT pour résoudre les problèmes de fond. Moi, je pense, on a Samuel Eto'o, l'homme providentiel, le Messie, qui est capable de ramener le monde entier au Cameroun. Il faut maintenant qu'on lui donne matière à travailler. J'ai dit d'entrée de jeu qu'il faut qu'il ait les coudées franches, qu'on laisse au président... Peut-être aussi qu'on le préserve de tous ces démons. Lorsqu'on sait le passé sulfureux avec... Non, pas préserver. Il n'y a que Dieu qui peut aider quelqu'un à être préservé de ses démons. Le gouvernement ne peut pas le faire. Mais le gouvernement peut quand même tracer un cadre qui permet de écouter, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Pourquoi on voit une FECAFOOT amorphe et malade dans sa structure et non sur ses hommes? Mais on s'entête quand même à garder la même structure qui va être un problème pour quiconque prend les rênes. C'est pour ça que je dis que je ne m'extasie pas, oui. Parce que c'est un piège pour Samuel Eto'o. Si demain, lundi, le chef de l'État dit, bon, écoutez, on revoit cette affaire, on rebat tout, on organise tout, on consulte donc ces éminents sportifs, journalistes sportifs que nous avons dans ce pays. Oui. On reconstruit une FECAFOOT adaptée aux réalités actuelles du Cameroun et aux défis de l'international. Là, on va s'en sortir. Mais pour le moment, on est dans la joie. On fête, on célèbre, on est content. C'est l'homme qu'on a voulu et il est là aujourd'hui. Mais il est sur quelle base, Monsieur Mbaka? Peu importe le talent que vous avez, si on vous met sur un stade qui n'est pas conforme, si vous n'avez pas l'équipement qu'il faut, votre talent ne va pas briller comme il doit briller. Oui. Il faut aujourd'hui qu'on donne à Samuel Eto'o les moyens de pouvoir effectivement atteindre les objectifs qu'il veut atteindre. Pourquoi vous ne vous posez pas la question de fond que sur le professeur, le constitutionnaliste Joseph Ouna. Sur tous ceux qui sont passés. Ils n'ont pas pu résoudre ce problème. Peut-être n'avaient-ils pas la légitimité. Non. Écoutez, on n'est pas là sur une question de légitimité. Oui. On est là sur une question de fonctionnalité d'une structure. La FECAFOOT marche sur la tête ou sur les pieds. C'est ça la question qu'il faut se poser. Je vous dis, peu importe la personne qu'on met aujourd'hui à la FECAFOOT, en l'état. On a pris l'image, peut-être que vous avez pris ça à l'échelle. On a pris l'image de l'Iran et de l'Irak, mais on vous dit que c'est une histoire compliquée. Complexe. Et il faut qu'on puisse avoir l'honnêteté intellectuelle pour rebattre les cartes. Vous savez, il ne faut pas que les Camerounais se comportent comme si ailleurs, les gens ne se remettent pas en cause. Oui. Se remettre en cause, ce n'est pas une faiblesse. Revoir un fonctionnement, ce n'est pas une faiblesse. Revoir un système, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est qu'au Cameroun que l'opposition se lève pour dire revoir le système électoral, on crie au scandale.
comme ça ne se fait pas ailleurs. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on dit, bon, revoyons telle corporation, telle structure, on crie au scandale. Les Camerounais ne sont pas tous des opposants. Les Camerounais, pour, bah, la plupart, veulent que les choses aillent bien, oui. Mais qu'elles aillent même très bien. Je dis aujourd'hui, nous avons l'opportunité, par le cas FECAFOOT, de démontrer notre flexibilité, de démontrer une intégration de la jeunesse, oui. Qui a une expérience différente de nos papas qui sont bien sympas, qu'on aime bien, mais qui n'ont plus toujours la capacité de suivre. Oui. Il faut donc qu'on puisse à un moment donné être honnête et de se dire, cette FECAFOOT-ci ne peut pas permettre à Samuel Eto'o d'atteindre le programme qu'il a présenté. Oui. Il faut donc qu'on plaide, et c'est là que je viens sur les soutiens et sur les supports qu'il peut avoir, que son lobbying se mette donc en branle pour plaider une refonte complète de la FECAFOOT. Sinon, Samuel Eto'o aura les mêmes problèmes que les autres, parce que ceux qui sont venus là et qui ont eu des problèmes ne sont jamais venus chercher le problème. Les problèmes, ils ont trouvé on the spot. Et il faut donc qu'on puisse permettre à notre jeune frère. Et c'est moi, c'est le volet qui m'intéresse. Oui. L'image que Samuel Eto'o a aujourd'hui dans le monde doit être préservée. Et préservée par les Camerounais. Ce serait une aberration et une provocation et même une insulte sur la carrière de Samuel Eto'o qu'on laisse la FECAFOOT en l'état et qu'il s'enlise dans des histoires. Quand M. Nkor dit qu'il est capable de venir le matin dire que tel m'a appelé, tel a fait, tel a fait. C'est des choses qu'il faut traiter. Qu'on arrête d'avoir des ingérences de cette nature. Comment vous expliquer que quelqu'un ne travaille pas à la FECAFOOT, mais il a un salaire à la FECAFOOT. C'est des choses qu'il faut traiter. Si on ne traite pas ça de fond en comble, on aura un Samuel Eto'o en lambeau demain et on n'aura que nos jours pour pleurer. Moi, je dis ce jeune homme est utile pour le monde entier. On s'accorde tous à le dire. Oui. Samuel Eto'o est un patrimoine même qu'il faut préserver. Et pour qu'on le préserve, que tous les Camerounais demandent de manière unanime qu'on refonde la FECAFOOT. Qu'on voit même clair dans cette affaire, ça marche comment, qui tire les ficelles, ça fonctionne. On peut le refaire, mais pour le refaire, on a mis l'homme qu'il faut à cet endroit-là. Il faut maintenant qu'on plaide et qu'on insiste pour cette refonte. Merci, docteur. Jean-Marie Fomongota, le docteur fait une lecture de l'environnement qui va désormais être celui de Samuel Eto'o. Ce n'est pas un environnement d'enfant de cœur. C'est des crocodiles qu'il y a là-bas, à la FECAFOOT. Alors, on aura beau avoir Samuel Eto'o, si les mêmes causes, le même environnement conduit, continue à tirer les ficelles, forcément, le passage de Samuel Eto'o va s'avérer être un enfer pour lui, qui a un projet qui veut relever véritablement le football. Monsieur Marouane, ça commence par Samuel Eto'o, fils même. Il faut qu'il tue son culte de la personnalité. Quand on devient un président d'une fédération, on doit rassembler. On doit penser que ce n'est pas pour Samuel Eto'o, c'est pour que tous ces anciens footballeurs, tous ces anciennes gloires qui ont servi la nation, qui peuvent apporter une idée qui soit sur la table. Parce que le problème n'est pas au niveau où vous êtes en train de faire. Parce que le problème est que nous avons une personne qui a une forte personnalité, qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'on pense. Et c'est là le problème. La FECAFOOT se meurt parce que les présents qui sont passés étaient des gens qu'on ne disait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Quand vous parlez de Yamoubé qui a été élu en prison, c'est quelqu'un qui sort de l'action de coton, il a géré une grosse structure, il n'avait pas faim. Vous parlez de la plupart des gens, regardez la nomination qui était avec Joseph Onalemoukoua chez Haute. C'était une nomination intellectuelle, je suis déterminé. En se disant que comme ça, un problème, ce n'est que les agrégés qui peuvent s'asseoir. Finalement, ça n'a rien donné. On a vu que pendant que les joueurs même pleuraient les sous-vêtements, les cousines, les cousins du ministre avaient 4-5 sous-vêtements. C'est pour vous faire comprendre que le problème aujourd'hui, c'est que Samuel Eto'o sera heurté à deux choses. Oui. Ils sont majeurs au Cameroun. Le secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football et le président de la Ligue. Si Samuel Eto'o fils a la chance d'avoir ces deux personnes, ils sont fusionnels, il a gagné son pari. Et c'est là où donc les problèmes se retrouvent. La FECAFOOT n'organise pas le championnat du Cameroun. La FECAFOOT accompagne financièrement la Ligue professionnelle de football. Mais si tu as un type à la Ligue professionnelle de football qui est têtu, qui ne t'écoute pas, il te dit va te faire foutre. C'est un sérieux problème qui se joue. Si tu as un secrétaire général qui ne fait pas le travail comme il se faut, c'est-à-dire vous discutez à deux au bureau et lui va faire le concret, c'est un autre problème. C'est pourquoi l'image de Samuel Eto'o fils dans l'international est rassurant. Mais au Cameroun, parce que nous entrons dans un lobbyisme, il y a des gens qui sont à Tignan depuis 50 ans, ils sont jamais sortis du bureau. Tu vas dire à cet homme-là de sortir du bureau comment? Il y a donc ce problème. C'est pourquoi on dit l'État du Cameroun a fait
un choix d'accompagner la victoire de Samuel Eto'o, parce que si l'État n'était pas d'accord avec la victoire, ça ne se passerait pas. Alors aujourd'hui, ils doivent libéraliser cette victoire, permettre de décentraliser. Samuel Eto'o doit comprendre que le rôle du président, c'est d'accompagner, c'est d'assister et c'est de négocier les contrats à l'essai que de venir jouer le pauvre Yabis. Parce que s'il veut jouer le pauvre Yabis, nous serons donc heurtés à une FECAFOOT qui ne sera pas différente de celle qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et c'est ce que nous demandons à Samuel Tofis de changer, parce que tout à l'heure, j'entendais les gens dire que oh, Obama serait secrétaire général, tant il serait vice-président. Moi, je veux comprendre que ce n'est pas à ça qu'on joue. Ils l'ont accompagné, mais ce n'est pas leur domaine. Le domaine du football est que Samuel Tofis a fait beaucoup de conclaves pour être président. Avec Jérémy Ndita, qui est le président de l'association de footballeurs. Vous avez pensé à la redistribution? Oui, oui, ils ont parlé. Mabouan Kessak est venu, il a son beurre. Niamsi, il était tous les candidats. Et il n'y a jamais de compromis sans promesse. Oui, c'est-à-dire que c'est les gars qui ont accepté le deal pour qu'ils soient là. Et cela peut empêcher Samuel Eto'o fils de travailler. Au lieu de gagner, pour qu'il travaille avec des hommes capables d'apporter. Vous allez voir demain qu'on va vous dire que oh, ma banque ça a claqué la porte, oh, Niamsi n'est pas d'accord, oh, ceci, cela, parce que je sais que ça va commencer. Parce que quand on prend le pouvoir, on est content, mais le lendemain, les autres te rappellent que mon ami, on était sur une table hier. Tu m'as promis ça. Où est ça? Si tu veux essayer de contourner, c'est les médias qu'on appelle, on dit que hier c'était ci, hier c'était ça. Nous devons avoir une fédération qui rassemble. Oui. Aujourd'hui, Samuel Eto'o fils est une icône. Cette icône doit rassembler aussi les autres icônes. Parce que ce que j'attendais de voir cette Coupe d'Afrique des Nations avec, par exemple, on dit, c'est Wemeki mais qui gère Bafoussam, c'est Jérémy Ndita qui va gérer là-bas, c'est Kalam Congo. Mais on est aujourd'hui comme si cette Coupe d'Afrique des Nations est pour certaines personnes. Parce que tous ces anciens lions doivent revenir en action. On a dit de donner la FECAFOOT aux footballeurs. C'est pas de donner à un footballeur. C'est de donner aux footballeurs qui connaissent bien les méandres, les souffrances, tout ce qu'ils ont vécu. Et de venir maintenant s'asseoir à nous apporter comme on est un bon directeur technique national. Parce que tout cela joue. Quand on a un bon directeur technique national, que Samuel Eto'o fils soit entouré d'un système managérial qui va l'aider à signer les contrats équipementiers. Parce que tout cela joue. Oui. Parce qu'on a l'habitude de voir les Camerounais aujourd'hui jouer pour mon pied. Comme là-bas, on ne sait même plus qui est équipementier de Lyon. Il faut retravailler, comme M. Mboka dit, remettre tout à plat et regarder le meilleur à apporter pour que la fédération soit forte. On a un président qui est un lobby, qui est une force parce que lui-même il représente une image. Mm-hmm. Maintenant, il doit associer d'autres forces parce qu'aucune force ne peut être seule pour soulever le Cameroun. Si nous voulons avoir ce football meilleur, c'est d'associer toutes les forces vives footballistiques qui ont de l'expérience. On a beaucoup d'anciens footballeurs professionnels qui ont joué dans tous les grands clubs au monde. Mmh. Et tout cela doit être autour de Samuel Eto'o pour regarder que si Wemé a joué en Italie, lui peut aller attirer un investisseur italien. Si l'autre a joué en Allemagne, lui peut aller. Ce n'est pas Samuel Eto'o fils d'aller voyager tout seul. Et c'est là que je dis, il faut tuer le culte de la personnalité pour amener un rassemblement, un homme qui apaise. Parce que la fédération, c'est une maison. Ce n'est pas un homme. Et la maison a besoin d'une famille. Parce que si tu habites seul une maison, les murs vont finir par tomber parce que tu ne peux pas respirer partout. Et il faut donc comprendre cela, c'est que Samuel Eto'o fils a les mêmes maintenant que d'écouter les Camerounais. Mais moi, je redoute encore quelque chose. Oui, vous sentiez. Abdourahmane, c'est quelqu'un qui est très fort. Abdourahmane, non, je redoute. Monsieur Maga, oui, moi, je redoute encore. Monsieur Omoise Camerounais, le manque de ce métier, c'est que dans notre pays, nous n'avons pas la contradiction. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit que ce soit qui va gagner, nous allons recommencer. Nous avons vu en Côte d'Ivoire comment ça recommence. Attendons un peu, mais laissons les choses s'apaiser. Nous avons une Coupe d'Afrique des Nations. Si Abdourahmane ne peut pas attendre le TAS pour qu'on finisse la Coupe d'Afrique des Nations. Nous chargerons de convaincre le président Abdourahmane qu'il puisse attendre un moment. Mais moi je pense que le président a raison. Je l'ai dit et j'insiste là-dessus. Oui. Notre rôle, c'est aussi de dire aux Camerounais que n'entrez pas dans l'euphorie pour venir tomber des nues le lendemain. Et il y a cette possibilité, si elle ne marche pas, tant mieux. Si elle marche et qu'il faut reprendre tout, Eto'o sera toujours candidat. Et nous savons qu'il peut toujours passer. Mais il ne faut pas qu'on ait l'impression de candidat. Il y a quelques jours, je pense que ça remonte à 2 ou 3 jours, on a rejeté une requête du collectif d'Abdourahmane auprès de la TAS qui visait à annuler le processus en cours. C'est vrai qu'ils ont introduit une requête qui prend du temps, mais ils avaient introduit une requête pour qu'elle soit passée rapidement au fin de dynamiter le processus en cours actuellement. Mais cette requête a été rejetée. Ce qu'il faut dire sur la question, c'est que le précédent exécutif n'a pas eu l'humilité de s'asseoir avec ceux d'en face
afin de, d'apaiser les rancœurs et de trouver des compromis. Oui. Compromis qui a été trouvé par les autres acteurs. Je pense que le premier chantier de M. Eto'o, c'est d'abord de s'asseoir avec toutes les composantes du football, oui, afin de rabattre tout à plat. Parce qu'en réalité, il faut voir d'où vient la genèse de notre problème. Le président parlait tout à l'heure d'un problème de structure. Effectivement, la structure de l'Africa Foot est la genèse de tous nos problèmes. Dès lors que le président a été élu... Avant Meneya, on avait des problèmes. Mais on n'était pas encore passé au stade de la normalisation. Dès lors qu'il était élu, il était en prison. C'est là où tous nos problèmes ont commencé. Donc, il faut mettre des personnes qui mettent des statuts qui soient respectés. Et je pense que Eto'o peut s'asseoir avec tout ce bon monde afin de s'asseoir et de trouver un consensus, tant souhaité, le consensus soit souhaité par le chef de l'État, pour que les acteurs du football puissent s'asseoir et discuter convenablement. Et il faut rappeler, tout à l'heure, quelqu'un disait que l'Africa Foot, c'est le Cameroun. C'est vrai, c'est l'État du Cameroun. Mais il faut rappeler aussi que l'Africa Foot, c'est un petit État dans un État. Il faut rappeler que l'Africa Foot, la gestion de l'Africa Foot, elle est assez opaque, on le disait. Quand aussi, vous êtes sujet à l'autorisation de fonctionner, vous êtes sous la structure. Du fait que, en réalité, l'Africa Foot est sous l'autorisation du ministère. C'est une institution camerounaise. Et en principe, elle est indépendante dans son processus. En principe. Même si elle bénéficie, bien sûr, des redevances de l'État. Merci. Mais en principe, elle est indépendante. Donc, de facto, ici, nous avons vu des acteurs du football bloquer tout un processus. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous ne jouons pas au foot? Le président parlait peut-être d'un projet. Moi, je ne pense pas que c'était un projet. C'est simplement que des personnes mal intentionnées à des positions stratégiques ont décidé de bloquer pour faire un chantage à l'élite politique. Donc, il faut comprendre simplement que Samuel Eto'o a beaucoup de choses à faire, mais le premier chantier pour ma part, c'est de pouvoir asseoir tous les acteurs. Le premier chantier sera de s'asseoir avec tous les acteurs du football, tel Abdourahmane, afin de trouver un consensus, afin d'apaiser toutes les tensions. Merci Cédric Pouga. Alors, la tâche est immense, comme celle de Samuel Eto'o, mais nous allons essayer en une ou deux volets de retranscrire la centaine de messages qui sont parvenus. Alors, commençons doucement, président Fomongota. Écoutez bien. Bonsoir, le Messie est arrivé. Arrêtons la sorcellerie sur le plateau. Eto'o est une icône mondiale. C'est le Cameroun qui gagne. Bani Constantino, Ongot, c'est depuis Mankomo. Merci à vous. Bonsoir, panel. Si Abdourahmane tente, le peuple va le faire. Il va se calmer, cette fois-ci, il est de force. C'est parfait depuis Bafoussam. Bonsoir à vous, parfait. Bonsoir, je trouve que ça serait mieux si Samuel Eto'o soit le président parce que lui était joueur, il connaît tout concernant le football. Merci à vous. Bravo à notre père Eto'o. Bonsoir le panel, bravo et à Eto'o fils. Aujourd'hui j'ai vu un homme déterminé et confiant. Samuel, tu as su dénoncer beaucoup de choses. L'Africa Foot, c'est maintenant ton tour, corrige tout et ne nous déçois pas. Nous te faisons confiance. Merci à vous Daryl, je crois, depuis Yaoundé. Bravo à notre préféré, Père Eto'o. Alors, prenons celui-ci. Arrêtez vos conneries. L'essentiel est qu'on laisse le football aux footballeurs. Oh, merci. Chose réclamée, chose acquise. Il est juste temps de démontrer de quoi tu as dit être capable en qualité de manager. La jeunesse camerounaise compte sur ton équipe et toi. Bon courage merci, et surtout, FD, bon début de bagarre. Et Nonga à bon banc. Merci, merci à vous. Félicitations à Samuel Eto'o fils. Bonsoir Monsieur Mbarga. Pourquoi n'avoir pas invité Abdoulaye Ado, Fidel Castro et Wailamé? Ont-ils fui le Cameroun? Vous aurez la réponse certainement. Alors, n'appelez pas s'il vous plaît. J'aime mon président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. Merci à vous. Félicitations pour Monsieur Samuel Eto'o. Mais d'après tout, Monsieur Seydou Momondia demeure l'un des meilleurs présidents. Monsieur Seydou, nous serons toujours là pour vous. Bonsoir, tout ce que je peux dire, c'est que Eto'o a pu et Eto'o peut. Sergent Guara depuis Maroc. Bonsoir, merci à vous. Salut, moi c'est Ndam. Et félicitations à Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot. On attend beaucoup de lui, beaucoup de changements. Merci. Alors, prenons celui-ci. Bonsoir le plateau, Monsieur Fomo et le langage qui s'y est emparé, si Constance,
dit sur un plateau comme celui-ci des journalistes confirmés, bavards, est tout simplement excessif. Okay. Un homme politique sait avoir la mesure, la pondération, qu'on le veuille ou non. Samuel Eto'o a de l'aura. Évite, s'il vous plaît, n'appelez pas. Évitons ces incantations populistes. Étienne, c'est depuis Ebolova. Merci à vous d'avoir réagi depuis la capitale de la région du Sud. Alors, oh là là, n'appelez pas, s'il vous plaît. Prenons celui-ci. Bonjour, bonsoir à vous. Je félicite Eto'o, s'il vous plaît. Alors, si on ne cesse pas d'appeler, nous n'aurons pas la possibilité de lire vos réactions. Veuillez ne pas appeler, les contributions se font par SMS et par WhatsApp, s'il vous plaît. Sinon, il sera quasiment impossible de prendre une réaction tant elles sont nombreuses ce soir. Alors, il suffit que je dise qu'on n'appelle pas pour que les gens se mettent à appeler. Alors, on va essayer. Je félicite Eto'o, c'est M. Belinga Atangana, c'est à Nangezan, c'est depuis Ngoulmakon, c'est une région qui m'est chère. Bonsoir à vous de ce côté-là. Alors, bonsoir à vous dans le plateau. Samuel Eto'o est président et il n'aura plus d'autres élections. C'est l'envoyé de Dieu, c'est Jérémy qui nous écrit depuis Mendong. Bonsoir, salut à vous. Bonsoir, l'émission est bien. Et mon père Eto'o est chaud. Il s'exprime très bien en français. Oh là là. Samuel Eto'o ne mérite pas cette place. Merci à vous pour votre réaction. Bonsoir, le plateau. Il n'aura plus de problème. Samuel Eto'o va parler à Abdourahmane et il va se calmer. Bonsoir à vous, Monsieur Fomongota. N'ayez pas honte de dire que Eto'o vous a dépassé. Et non. Il est jeune. J'espère que c'est ce que vous vouliez dire. Monsieur Fomongota tourne sa langue après l'échec de Seydou, le candidat qui l'a soutenu. Ce matin encore, il soutenait encore le président sortant. Eto'o a présenté le meilleur programme et il a grandi sur bien des plans. Il y a une autre guerre d'image de part et d'autre. Président Fomongota, je suis en train ici. Est-ce que j'ai dit un jour que je soutenais Eto'o? Je dis que je félicite. La politique, c'est de bonne guerre et non la guerre. Je félicite mon adversaire, c'est tout. Merci, président Jean-Marie Fomongota. Alors, je me nomme Hamza Boubakari depuis Mogodje, le village de l'ancien général Kodji Jacob, fier de voir Samuel Eto'o comme président de l'Africa Foot, le héros de ce samedi. Mon président, avec vous, j'ai confiance. Et c'est que tu n'as pas le temps de me répondre, mais je suis avec toi pour toujours. Force à toi, mon futur PR. Alors, voilà. On voit Eto'o en PR. Je vais essayer de prendre une réaction sur une autre plateforme. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Mais j'ai une forte conviction que c'est une victoire stratégique. Peut-être on veut briser ce mythe de légende, fils que Dieu a envoyé au Cameroun, en laissant échouer à la tête de cette structure, pour dire après, nous qui croyons en lui, qu'en fait, il n'est même pas si fameux que ça. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir réagi. C'est une véritable déferlante de messages qui arrivent. Alors, je ne sais pas comment on va fonctionner si à chaque minute vous appelez. Permettez qu'on puisse prendre vos réactions et qu'on puisse tout de suite après les transcrire à l'antenne. Sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas appeler au même moment qu'on est en train de lire les messages. Ça ne va pas le faire. Alors, essayons de prendre celui-ci. Oh là là. Wow. Bonsoir le plateau, juste pour vous dire que c'est Dieu qui a décidé, personne ne se met à travers. Va de l'avant, monsieur le président. Bientôt c'est la présidence de la CAF qui tombera. 77 personnes, Dieu. Paul, c'est depuis Makepe. Bonsoir, cher panel. La révolution a commencé avec Eto'o. C'est de ça que nous voulions pour les jeunes de Tokombere. Enfin, le football va se jouer aussi à Tokombere. C'est à Walou de Mada. Colcoche. Bon, j'espère que je... C'est Mada, oui, on le sait. J'ai bien prononcé. C'est Mada, monsieur. Effectivement. Bonsoir à vous sur le plateau. Très fier de la victoire de Samuel Eto'o. Félicitations à Eto'o. Si la même chose pouvait se passer au Gabon. Merci à vous de réagir depuis Libreville. merci beaucoup. Bonsoir Info TV. Bravo Grand Neuf. Je peux dormir tranquille. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir à vous tous sur le plateau. Toute ma famille félicite Samuel Eto'o. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir à vous en studio. La victoire de Samy est un départ, un très bon départ pour le Cameroun. Bravo Eto'o.
Bonsoir, moi c'est Khalifa. Je dis félicitations à Samuel Eto'o. Vraiment bravo à toi, papa Samy. Khalifa. Oh, oh là là. Bref. Prenons. Bonsoir à vous. La victoire de Monsieur Eto'o est la victoire du Cameroun. Il était le candidat du peuple et il a su nous convaincre. Les jeunes sont fiers. Ensuite, les détournements sont finis à la FECAFOOT. Eto'o sera libre de bien travailler car les membres du gouvernement ont peur, car ils ont entretenu du désordre à la FECAFOOT. Merci à vous pour votre réaction. Alors, il faudrait que je vous le dise. S'il vous plaît, n'appelez pas. Ça va être impossible. Ou bien nous allons mettre un terme à la retransmission de vos messages. Si en même temps, vous devez appeler, ça va être compliqué. Essayons d'avancer doucement avec celui-ci. Changer le bus de Lyon. Eto'o, félicitations, le grand neuf, c'est Maï, depuis Bertois. Good evening as Rwandan 200%, je vais le dire comme Indomitableland fan. Let us pray for the new board to achieve their mission. God look, Eto'o. Thank you for your participation from Rwanda. Thank you. Thank you very much. Bravo au docteur Samuel Eto'o. Mm. Bonsoir le panel, bonsoir à vos invités. Nous sommes très contents malgré le faux, les stratégies mises sur pied pour humilier le petit de l'Afrique. Je n'ai pas voulu, l'heure n'est plus au débat. Samuel Eto'o fils est le nouveau président de l'Afrikafoot. Ce qui importe maintenant, c'est de rassembler tous les acteurs du football camerounais autour d'une table, discuter pour le développement, l'innovation, couper le pont avec l'inertie. Bravo docteur Eto'o Samuel fils et son équipe. Nous attendons beaucoup de changements pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors, prenons un tout dernier avant que nous revenions en plateau. Félicitations à Eto'o, merci pour le débat. Nang Thierry, c'est depuis Ngaoundal. Alors, chers messieurs, nous avons beaucoup épilogué sur cette désormais victoire de Samuel Eto'o fils. Mais les prochains événements qui nous interpellent tout de suite, nous Camerounais et nous médias, c'est la CAN Total Energy 2021 qui arrive. Comme je le disais, monsieur Atunko, dans 3 semaines, est-ce que là encore, ce sera le premier grand test pour l'équipe qui va entourer Samuel Eto'o d'accompagner véritablement l'État du Cameroun dans la réussite de ce grand moment de communion et d'exposition du Cameroun? Quand les gens n'ont pas tout le temps ce qu'ils veulent, ils se contentent du peu. Et je peux déjà vous dire que ce peu, c'est une mobilisation sans pareil. Oui. Je vous demande d'imaginer l'entrée de ce monsieur, parce que connaissant le timing protocolaire, je sais qu'il entrera avant le chef de l'État. Oui. Je vous demande d'imaginer l'entrée d'Eto'o au stade. C'est-à-dire le jour du match d'ouverture. Je vous demande de visualiser le moment où Eto'o décide d'accompagner la tournée de la mascotte. Oui. Ce qui est timide actuellement. Donc, essayez de voir ce que ce type peut, pendant le peu de temps qui nous reste avant la CAN, apporter seulement en termes de popularité de l'événement. Oui. C'est un boost incroyable. Bon, maintenant, comme on a dit, au moins, on aura une accalmie et le docteur le disait tout à l'heure, une accalmie au moins jusqu'en février, mi-février quand même. Oui. C'est-à-dire, entre l'euphorie de la victoire d'Eto'o, entre la CAN, entre l'euphorie de la CAN portée parce que les gens sont contents du fait qu'il a été élu. Donc, on s'est acheté, ouais, le gouvernement avec un peu de paix jusqu'en mi-février quand même, une espèce d'euphorie, comme des quasi drogués. On sera un peu, on va planer pendant un temps jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. Donc, aujourd'hui, en termes de popularité, vraiment, la CAN vient de commencer. Vient de commencer et d'avoir un boost. Et le gouvernement, oui, une fois de plus, parce que vous savez, il y a des gens qui sont extrêmement chanceux. Même la CAN elle-même, en termes de communication, en termes de mobilisation, en termes de promotion, balai de l'aile. Je vous dis, avec ce type. Ils vont passer entre les mailles, certains. Parce qu'il y a toujours deux camps, il y a les compétents et les incompétents, mais comme tout sont mélangés, oui, on se ressort plus. Et même les détourneurs. Voilà, tout le monde est dedans. Et on est aussi plus assorti, un plus haut que l'autre. Donc, Eto'o va venir des idées à rendre cette affaire populaire, alors que ça a été passé. Et pourtant, ils ont fait des réunions avec des influenceurs bizarres. C'est un autre débat, monsieur Nkor. Bon, vous me connaissez. Merci. Alors, docteur Jean-Maurice Mbok, Samuel Eto'o est arrivé, la CAN, c'est dans quelques jours,
un coup de boost selon M. Nkor, mais un immense challenge aussi, parce que là, le maçon sera jugé au pied du mur. Il faudrait qu'il ait suffisamment de cran pour rappeler à certaines autorités l'incongruité de leur démarche. Oui. Ce n'est pas au ministre des Sports d'aller faire déployer la mascotte. Ce n'est pas à lui de le faire. Mais vous voyez, c'est une incongruité. Il faudrait que Samuel Eto'o soit assez franc pour pouvoir le dire. Et je crois qu'aujourd'hui, il a tous les moyens pour le faire. Oui. C'est un coup de com' extraordinaire. Formidable. Parce qu'aujourd'hui, tous les médias internationaux parlent de cette victoire. C'est déjà un coup de com'. Oui. De l'autre côté, ça rassure parce que vous avez des nations qui hésitaient, qui se posaient des questions et tout. Donc, Samuel Eto'o vient effectivement comme le coup de com' qu'il nous fallait. Oui. Vient comme le mot du président qu'on attendait, qui n'est pas toujours venu. Parce que le chef de l'État aussi pouvait dire quelque chose pour créer cette accalmie. Il ne l'a pas fait. Oui. Samuel Eto'o, et M. Nkor est vraiment, il est très perspicace. C'est-à-dire que les chanceux, oui, du gouvernement vont bénéficier naturellement de l'aura de Samuel Eto'o. Oui. À contre-cœur, il bénéficie de cette aura maintenant. Le chef c'est de l'État. Qu'il ne dédouane pas de leur manquement et de leur. Il faut que le chef de l'État opère un remaniement au moins. Oui. De toutes les façons, j'ai dit ça, je suis passé. Ça va être de toute façon pour lui de se rattraper aussi. Donc, on a un coup de com' qui est évident parce qu'on se demandait si la CAN allait se jouer effectivement au Cameroun. Et rien ne montrait, je vous dis, mais rien du tout, les panneaux publicitaires. Vous voyez comment on sèvre la presse, on sèvre les médias. La presse, c'est vrai, les journalistes. Faut le préciser, exactement, c'est vrai. Docteur. Mais est-ce que vous savez que moi j'ai vu des annonces de la CAN sur des chaînes étrangères? Les chaînes privées camerounaises qui sont même le terreau de la publicité n'ont pas ces moyens-là. Samuel Eto'o pourra aider effectivement à plaider la cause des médias privés. On a vu par exemple aujourd'hui lors des élections, tous les médias privés étaient dehors. Il n'y a que la CATV qui était à l'intérieur. Oui. C'est qui a une aberration. Et vous nous avez donné l'un des matchs à Olembe. Oui. Nous avons été exclus. Très bien. Oui. Il n'y a pas que la CATV, BNews était dedans aussi. Bon. BNews parce qu'Obama, ce n'est plus un débat. De toutes les façons, c'est un coup de com' excellent. Nous ne pouvons que nous réjouir parce que je l'ai dit, nous aimons notre pays. Nous voulons le bien de ce pays et ce qui marche nous convient. Ce qui ne marche pas, on le dénonce avec la dernière énergie. Oui. Maintenant, j'insiste là-dessus, qu'on donne les moyens, les coups des franges à Samuel Eto'o et qu'on ne retombe pas dans la mafia parce que le rôle du président de la FECAFOOT et son staff, c'est d'accompagner l'organisation de la CAN. D'ici à ce qu'on commence à vous dire que non, le business des hôtels, c'est pour tel ministre. Le business de la nutrition, c'est pour tel ministre. Le business de l'eau, c'est pour tel ministre. On ne va pas s'en sortir. Et toi, tu ne pourras pas vérifier tout ça. Non, 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 si vous le cahier des charges, ne peut pas changer le cahier des charges. Bon, on ne va pas s'en sortir, c'est déjà fait. Et ça, ce n'est pas faux. Mais je dis que nous connaissons Samuel Eto'o, qui peut quand même vouloir poser des questions, oui, sur des sujets. Et il sera dans son bon droit. Oui. Il voudra poser des questions. Qu'on laisse que ces gens-là qui ont déjà tellement mangé le ventre froid même derrière le sol, qu'ils sachent aussi qu'ils peuvent laisser. Parce que l'enfant, voilà, docteur, s'il crie au scandale, oui, s'il crie au scandale, tous les Camerounais vont se sentir interpellés. Et M. Nkor l'a dit, je veux suggérer à Samuel Eto'o qu'il fasse vraiment de son mieux pour donner une certaine. Je veux même dire une mise en scène lors du match d'ouverture qui nous fasse quelque chose qui va amener c'est ça qui va rester dans l'esprit. Donc à côté de la cérémonie d'ouverture, il va falloir absolument que Samuel Eto'o travaille aussi à faire une entrée un peu comme il a fait à Douala, qui ne passe même pas par le haut, qui passe carrément par le stade même. Ça va faire ce que ça va faire. Donc oui, c'est un coup de com. Oui. Oui, il faut que le Cameroun profite de cette opportunité-là. Maintenant, je vais inviter les Camerounais à s'impliquer dans cette CAN. Même si le ministre de la Santé nous sort une incohérence de test, de machin, faisons l'effort de braver cela. Allons au stade parce que nous tous devons soutenir cette CAN. Merci, docteur Jean-Moïse Mbok. Président Jean-Marie Fomongota, vous vous joignez à ce chorus. Non. Et à ce. S'il vous plaît. Non, non, non. Monsieur, votre position, la nature aurait dû vite. C'est-à-dire, on a vu pendant la tournée des stades du GPL, il n'était pas côté de Samuel Eto'o. Il tenait Diouf à la main. Alors que Samuel Eto'o, qui est l'icône du football camerounais, était derrière. C'est que c'était le candidat du pouvoir. Mais
Mais qu'est-ce que vous avez? Est-ce que c'est là qui définit pas le candidat du pouvoir? Le véritable problème qui se joue aujourd'hui est que. Mais est-ce que lui, c'est le pouvoir? Ok. Il faut comprendre quelque chose. Quand je parle de la nature aurait du vide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o va permettre en sorte que les habitants de toutes les 10 régions du Cameroun commence à rêver de Coupe d'Afrique. Oui. Parce que en faisant sa tournée pour représenter sa victoire, c'est aussi une tournée de dire aux gens, allons au stade, oui, allons supporter les Lions, faisons en sorte qu'on reste avec notre Coupe d'Afrique et tout cela avec tous ces joueurs, tout le monde qui la comprend. Parce que le Cameroun a un problème, c'est que lorsqu'il faut représenter l'image du Cameroun, on ne choisit pas les gens qui ont gagner des Coupes d'Afrique, c'est-à-dire oui, que nous sommes vainqueurs de 5 Coupes d'Afrique et la plupart sont encore vivants. Mais malheureusement, on n'a même pas ces gens à démontrer que c'est celui-ci qui a joué en 88, c'est celui-ci qui était en 84, c'est celui-là. Et il faut maintenant remettre cela en marche. C'est-à-dire que cette Coupe d'Afrique Nation doit être ressentie à la société camerounaise comme une force. Ils ont eu leur vainqueur à la fédération, ils doivent aussi chercher à montrer que nous sommes une terre d'accueil, une terre d'amour, une terre qui permet de jouer au football, parce oui, que le football est légendaire chez nous. Et c'est pourquoi j'ai dit, il faut rassembler autour. Parce que le problème du Cameroun aujourd'hui est que on parle seulement des hôtels et autres. On ne parle pas de la situation de l'eau potable, la situation de l'énergie, la situation des routes qu'on n'a pas encore fermées. Je crois que Samuel Eto'o, son message est de démontrer que son pays est le plus beau du monde. Mmh. Et je crois qu'il va mettre une pression à voir les routes de Yaoundé, Douala propres, à voir des quartiers qui vont accueillir les délégations propres. Et tout cela parce que la grosse gueule de Samuel Eto'o va servir aussi au Cameroun. Parce que parfois on a besoin de grosse gueule pour qu'on puisse s'en sortir, surtout à l'Africa Foot comme ça, parce qu'on sait maintenant qu'il n'a pas été nommé. C'est le choix des délégués. Donc c'est un vote, il a été élu, et un-même qui est élu a le droit au respect, a le droit à l'écoute. Oui. C'est-à-dire que ce n'est plus Samuel Eto'o qu'on donnait des petits claques à la tête ou on prenait comme un enfant, c'est monsieur Fekafoot. Et il faut monsieur lui donner, le président. Monsieur le président, monsieur Fekafoot, il faut lui donner donc cet honneur. Et moi, je crois que Paul Biya est un homme béni. Parfois, je le dis parce qu'il a une mascotte de dernière minute qui va venir l'aider. C'est-à-dire qu'on a une mascotte qui vient l'aider à sauvegarder l'intérêt de sa Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que, naturellement, je vous dis la nature en horreur du vide. C'est le vide qu'on avait. C'est-à-dire qu'avec tous ces ministres qui sont partis au cœur partout, mais on ne ressentait rien. Mais voilà, enfin, on va ressentir parce que l'enfant bien-aimé, l'enfant que tout le monde adore, parce que Samuel Eto'o, que tu l'aimes pas ou tu l'aimes, quand tu entends seulement son nom, tu as envie de regarder derrière qui passe là. Ah ouais. Et cela va redonner un dynamisme à notre pays. Et maintenant, il faut que les gouvernants sachent que rien ne sera plus caché. Parce qu'on a un enfant qui parle tout et qui dit toutes les vérités au peuple. Merci Jean-Marie Fongota. En ce jour de victoire, président Jean-Moïse Mbok, Cédric Kouga, Arthur Nkor, Jean-Marie Fongota, que vous nous faites de façon permanente l'honneur de votre présence sur nos plateaux. Ce jour où, à l'unanimité, n'ayons pas peur de le dire, le peuple camerounais célèbre la victoire de son choix. Oui. C'est comme ça qu'il a été présenté. Le docteur Samuel Eto'o, désormais président de la Fédération camerounaise de football. Info TV, votre média de proximité qui a eu souvent le nez creux et le flair. Tout le groupe La Météo, nous avons, nous aussi, contribué à l'expression de cette candidature. Nous avons aussi, à notre niveau, porté la candidature de Samuel Eto'o. Parce que nous aussi pensions que, justement, il avait le profil pour redonner de l'envergure à notre football. Et si nous sommes en harmonie avec notre réalisation, Ben Vax nous accompagne ce soir. Voilà une des Info TV qui, justement, portait la candidature de Samuel Eto'o. En commentaire, docteur Jean-Moïse Bock. Samuel Eto'o, le meilleur choix, c'est Info Matin. Non, La Météo, qui a commencé en titrant ainsi. Info Matin présentait déjà le candidat Samuel Eto'o. Et Info Matin a poursuivi en déclarant de façon solennelle. Voilà l'homme qu'il faut, Samuel Eto'o. Info Matin en a parlé. Oui, vous avez bien fait d'en parler et de le présenter comme ça, parce que lui-même, Samuel Eto'o, a tout fait pour démontrer qu'il avait un projet, qu'il oui, avait une organisation, et vous avez eu le flair de le suivre. Oui, même M. Seydou savait que c'est l'homme de la situation, oui, mais comme quand on va dans un combat et qu'on a déclaré qu'on va combattre, on y va quand même. Donc voilà, Samuel Eto'o, tout le monde s'accordera à reconnaître que c'est l'homme de la situation. Mais moi, je suis sur ma logique, il faut qu'on lui donne les moyens de travailler. Donc, félicitations à vous, vous avez fait un travail patriotique. Je précise encore que
la direction et le top management d'Info TV a accompagné justement la candidature de Samuel Eto'o. Parce que lorsque c'est bien, nous avons aussi estimé que c'est bien. Nous avons vu défiler sur nos plateaux les communicants de Samuel Eto'o, Cédric Pouga. Nous avons eu Jean-Bruno Tagné. Nous avons eu ces conversations en aparté de façon secrète avec son porte-parole Ernest Obama, qui véritablement a estimé qu'Info TV était le groupe, la météo en l'occurrence, était ce groupe-là qui était capable de porter véritablement cette candidature et de la mener jusqu'où là où elle a mené aujourd'hui, jusqu'à la session, à la magistrature, si je peux dire, de l'Africa Foot. Est-ce que vous qui êtes sur nos plateaux, vous avez aussi senti ce travail du groupe La Météo pour porter la candidature de Samuel Eto'o? C'est tout à votre honneur, M. Maga, ainsi qu'à votre top management. Parce que nous le disions tout à l'heure, le président Fomon Gota et tous ceux qui sont présents sur ce panel, nous avons largement épilogué sur la candidature de Samuel Eto'o. Bon nombre d'entre nous étaient d'accord sur le fait que ce soit le meilleur choix. Donc aujourd'hui, ce n'est que reconnaissance que de le dire Armando Vision. Qu'aujourd'hui, Info TV, avec le groupe La Météo, ont porté cette candidature à bras le corps. Oui. Maintenant, tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'effectivement, le candidat Samuel Eto'o répare plus ou moins les tares que nous avons constatées. On a parlé ici de la mise à l'écart des médias privés. Ce n'est pas normal que pour un événement d'envergure, que ce soit RFI qui fasse la couverture médiatique de la CAN. Donc, aujourd'hui, il est clair que le nouveau président de l'Africa Foot, il ne pourra pas tout faire, ça c'est clair. Même nous sommes à 3 semaines, il y a une continuité administrative. Oui. On ne va pas dire qu'il y aura une rupture complète. Oui. Mais comme nous l'avons dit, il y a un engouement populaire qui est là. Certainement, cet engouement pourra favoriser une certaine transformation structurelle au niveau des organes qui ont peut-être ont commencé à être constitués. Tout ce que nous pouvons attendre, c'est que effectivement, on mette toutes les composantes dans le projet CAN, de sorte que celle-ci soit un succès, parce que ce sera un succès. Merci, Cédric Pouga. Artunko, le groupe La Météo, qu'on le veuille ou pas, a été l'un des tout premiers à croire véritablement que Samuel Eto'o pouvait être ce président de l'Africa Foot souhaité par l'ensemble des Camerounais. Nous avons accompagné cette candidature, nous avons donné la parole, nous avons couvert, nous avons été des relais sérieux et crédibles du discours et du programme de Samuel Eto'o fils. Nous aussi, cette victoire, nous, groupe La Météo, cette victoire nous appartient. Bon, ça fait du bien de s'assumer. Oui. Vous savez, la presse a rarement assumé ses choix. On sait que généralement, elle n'assume que les enveloppes. Bon, au moins, ce n'est pas une maladie honteuse. Hein. On sait que on connaît le camp de Libération en France, le camp du Figaro. Donc, il n'y a qu'ici que c'est une affaire un peu mystique. Bon, maintenant, il faut qu'on se sépare bien. Je ne dirais pas du mal de la presse privée aujourd'hui. Pourtant, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que parfois, les responsables, c'est qu'il lui arrive. Avec certains, vous savez que le gouvernement que la presse privée a eu lors de la conférence de presse Cameroun-Malawi à Olembe, c'était inacceptable, c'était inadmissible pour un pays qui organise la CAN. Il est peut-être temps de repréciser aux gens que 95% des histoires, entre guillemets, des histoires de la CAN sont gérées par la CAF. Oui. Donc à un moment donné, parfois le Cameroun, nous on est habitué, c'est qu'on fait tellement de mauvaises choses que même quand on n'a rien fait, on accuse le Cameroun. La CAF est quand même pour beaucoup dans plusieurs des activités qui doivent être menées. Oui. Ces gens ont tellement tout pris que même les affiches sont sous leur contrôle. Et vous ne pouvez même pas, je vous dis, vous ne pouvez même pas essayer de pavoiser une rue ici. Oui. Sans que les gars ne vous écrivent pour vous menacer. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Merci Arthur. Jean-Marie Fongota, nous, Météo, avons soutenu cette candidature. Nous soutenons aussi, et je n'ai pas peur de le dire, votre démarche politique. C'est un jour de victoire pour le top management conduit par le président directeur général Dieudonné Vung, qui a mis la batterie, qui a mis les moyens pour que la candidature de Samuel Eto'o s'exprime et qu'elle se déploie au vu et au su de toute la sphère médiatique camerounaise. Bien sûr, M. Maga, une victoire de perfection, une victoire d'investigation et d'information. Cela a été à la hauteur de La Météo d'apporter des éclairages. J'ai souvent eu des débats ici avec l'équipe de Samuel Eto'o, c'était vraiment violent. Mais cela doit être aussi grand de
que toute la presse privée commence à comprendre que on est le couloir. Il faut choisir des candidats. Il ne faut pas avoir honte de choisir son candidat. Parce que, comme l'a dit monsieur encore, Libération c'est de la gauche, Figaro c'est de la droite. On ne manque pas. Ça dit qu'il faut être à la hauteur. Et la météo démontre déjà cette façon de travailler. Et avec Info Matin. Et cela est une valeur sûre pour les médias de demain. Mais il faudrait aussi que ce grand président Samuel Eto'o encourage ces médias qui l'accompagnent. C'est aussi cela qui est important. Parce qu'il ne faudrait pas seulement fêter victoire d'un côté, alors demain, ça ne serait plus pareil. Et puis on va retomber dans le jeu. Comme il n'a pas été avec nous, nous aussi, on va ne pas être demain avec lui. Parce qu'on connaît le jeu de la presse. Mais la météo reste une presse fiable. Parce qu'en général, quand je suis toujours dans j'écoute beaucoup, je lis, je vois l'information. Parce que l'investigation a choisi un candidat à parler de lui, à démontrer qu'il peut gagner. La météo l'a fait. J'étais souvent sur des plateaux avec des adversaires durs, mais malheureusement, c'est ce qui est fait et il faut vraiment apprécier cette façon de travailler. Ça commence à être comme la liberté de la presse dans le monde, où la presse choisit un candidat qui n'est même pas en poste et laisser celui qui est en poste. C'est-à-dire que c'est même un risque que la météo et Info Matin prennent, parce que si ça tombait autrement, ça allait être aussi pas agréable pour eux. Mais j'ai dit félicitations à M. Nveng et dit il faut continuer à travailler. Vous-même, les journalistes, faites beaucoup d'efforts, vous accompagnez cela à longueur des journées. C'est aussi ça le métier de la communication. Merci Jean-Marie Fomongota. Tout honneur, tout privilège. Merci, merci mille fois encore au président, directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Nveng, qui a mis les moyens véritablement pour accompagner cette candidature de Samuel Eto'o. Merci. Et le message, nous le transmettons aussi maintenant aux communicants, à ceux qui ont en charge la communication. Porte-parole, directeur de communication, cher René Jean-Bruno Tagné, cher René Ernest Obama, nous vous regardons aussi maintenant. Le groupe La Météo vous a soutenu aujourd'hui que les événements arrivent. Aujourd'hui que la CAN s'approche, Samuel Eto'o est désormais président de la Fédération Camerounaise de Football. Il est temps que vous fassiez la passe. Le retour nous parvienne aussi, parce que c'est aussi ça qui permet d'avancer. Mesdames, Messieurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette édition spéciale. Édition spéciale qui avait pour ferment, qui avait pour thème principal et central cette victoire désormais acquise du candidat Samuel Eto'o, fils désormais président de la Fédération Camerounaise de Football. Nous sommes à quelques jours de la CAN Total Energy 2021. Nous pouvons que lui souhaiter le meilleur des démarrages possibles, le meilleur déploiement possible, le meilleur dans sa vie, dans sa prochaine vie, celle de président, celle d'acteur, dirigeant majeur du football au Cameroun. Restez fidèles au programme d'Info TV qui se poursuit tout de suite après avec le 20h. Et quant à nous, nous revoir sur la même chaîne pour de nouvelles aventures. Bien le bonsoir.